téléphone ou pas? Vas-y. On sait jamais, vu que tu sais, quand tu envoies des messages trop gros, les textes, enfin les caractères trop gros, bah on peut pas. On peut pas tout lire en fait, ça coupe dans le chat de la télé. Ça fait trop de caractères, on peut pas tout lire. Faut faire des petits textes. Voilà, c'est faire le gameplay complet maintenant. Bah ça devrait être bon hein, 46 secondes, ça devrait juste... On enlève le son. Attends, je veux juste voir son entonnoir de voix. Sans bégueur. Oh, on nous entend. Ouais, t'as vu, c'est pas archi bien. Ouais, à mort. Bonsoir Florian. Salut Florian, comment vas-tu? Voilà, Devil, il s'est acheté un nouveau casque. J'espère que le son il est nickel. Bah, on s'est entendu parler sur le portable, ça a l'air de passer nickel. Et là, cette fois, c'est Devil qui va faire tout le jeu là maintenant. Il va faire la moitié. Je trouve qu'il fait une plus grosse moitié que moi. Pour une fois. J'ai réussi le truc au sniper. Nickel. C'est vrai que c'était pas évident ce niveau-là, mais de toute façon, un jour, tu es obligé d'y passer. En fait. Tu es obligé de réussir. Appuyer, là, c'est pas nager. C'est archi casse-couille. Ah, il fait chier à mort. Par contre, c'est vrai que la version HD elle est quand même mieux. Enfin, elle est quand même pas mal. Quand même plus beau, mais bon, c'est vrai que c'est assez vieux leur remasterisé. Allez, grand. Donne-moi l'échelle. En fait, toi, tu vas te farcir les mecs. En fait, toi, t'auras plus d'action que moi. Ah, j'ai envie d'aller voir là-dedans. Alors, regarde. Est-ce qu'il y a. Ah, tiens, là-bas. Ah oui! Ah moi, Yann, je suis directement dans l'hôtel! Non, ça, c'est l'autre côté, ça, je me rappelle bien. Non, t'inquiète pas, c'est l'autre côté. C'est là où il y a les lits, là, faut que tu passes. Mais là, c'est pour fouiller. Là, t'es là pour fouiller les endroits. Je me rappelle ici. Tout le stuff que t'aurais pu zapper, en fait. Notre cachette, c'est quoi? Faut que t'appuies sur lire. Alors c'est pour ce soir, on va prendre le poste de contrôle est. J'ai planqué des réserves au régal, la cachette est marquée d'un X rouge. Un point X plutôt. Non, je vais manquer un plan de touche. De la drogue. Là je pense que Devil il va mieux se débrouiller là vu que Que je vais reprendre un peu le gameplay en main puis ça devra le là, faire. Ouais parce que là c'est plus calme, ça fait que tu vas reprendre vraiment tes marques. Faut que tu ailles en dessous l'eau. On devait y a peut-être un truc. Ah oui un truc à faire d'en haut. Ah derrière toi. T'es sûr qu'il y a un truc sous l'eau? Rien. Ah non, je peux pas plonger. Ah non bah non y'a rien. Là c'est bon, t'as fouillé ce qu'il y avait. Bon faut que t'ailles voir. Ah faut que t'ailles là. Ouais, je vais juste aller voir ici. Ah, faut que tu fouilles, c'est des trucs, des petits trucs. Ah, ça pue, ça pue. Hein. Ça pue. Ouais, le bois est pourri. Hop, on va fouiller là-dedans. Putain, il y a que dalle, l'arnaque. Du café. Ouais. Ah, et pour un moment, il parlait tout le temps de café. Ah, ouais, elle est là. Ouais, bah oui, s'il faut que tu passes par là pour aller au camion. Là. De gros Kent. Ouais. Voilà, comme ça, la planche, hop, puis tu passes là-bas en fait. C'est pas ici l'échelle, c'est ça sera plus tard. Dépêche-toi. Ici, fais attention parce que là, c'est infiltration.
C'est bon, Ellie, descends. Ah, ça va être après. Non, c'est pour l'instant, il n'y a personne. Ouais, ça va être dans un court instant. Ça... Là, tu vas fouiller, puis après. Je veux du café. Bah, tiens, customise, hein, pour voir si tu. Attends, je vais déjà continuer de fouiller là-dedans. Et parler de ta gamme de café. Ça me manque le café. Faire un sur un. Ça c'est un bon, on peut pas faire de ça, on peut pas faire de cocktail. Vas-y, c'est bon, tu laisses comme ça. Fais pas de bombe, machin, ça sert à rien. Les fumigènes, ça sert à rien. Enfin, ça peut servir, ça dépend. Ouais, les fumigènes, c'est rare que je m'en serve. Ouais, moi aussi. Bah, par contre, là en balle. Ouais, là en balle, je suis un peu dans le caca. Ouais, faut bien fouiller, hein. C'est vraiment. Faut fouiller à mort. The Last of Us, c'est vraiment. C'était un jeu quand même couloir, si tu veux. Mais faut quand même fouiller. Bah là, j'ai regardé un youtubeur, il était déçu de ce jeu là. Parce que le jeu, il est trop couloir pour lui. Combinaison nécessaire. Le code, je me rappelle où il est. Pour moi, si, même s'il est un petit peu couloir, j'aime bien. Franchement, bah, le jeu, pour moi, je l'ai bien apprécié. Moi aussi, j'aime bien le jeu. J'ai bien apprécié le jeu. Normalement, je crois que je peux l'envoyer là ou l'autre. Non. Il doit y avoir une échelle dans le coin. Ah ouais, elle est là. Triangle. Ah, mais attends, je veux monter. Ah bah, c'est quoi? C'est une bouteille d'alcool. Ah, par contre c'est chiant, on peut pas se monter quand on a les fils dans les mains. Bah nous le sniper ça sera pour bientôt. Ouais, on va pas tarder à y arriver au sniper. Bah si tout se déroule bien, on va... Ouais, ce soir on va être le sniper. Normalement ce soir on l'a passé le sniper. Putain mais pousse-toi Ellie. Ça dépendra de ce que David va nous réserver dans l'avenir. Vas-y monte. Non, passe, ouais. Par contre, qu'est-ce que c'est dégueulasse quand t'as les panards qui passent à travers les marches. Ouais, bah ça, c'est des petits défauts. Ouais, c'est sûr. C'est quoi ça? 22-10-56. Ouais, ça, c'est pas besoin de lire, c'est un code de coffre. Bah tiens, c'est le coffre que tu étais il y a quoi, il y a 2 secondes. Ouais, c'est le coffre qu'il y a là. Ah, je peux pas passer. Oh, attends, je vais te faire le tour. Tu peux pas passer par dessus. Oh, on peut pas grimper par dessus, putain, faut arrêter aussi. Ouais, c'est impeccable. Attends, pour moi, normalement, t'as vu, les balles ils sont dans la flotte. Des balles dans la flotte. Si tout le. Bah, de toute façon, quand on aura fini le jeu, là, on va passer à One Piece. Ouais. Quand on l'aura fini, peut-être, bah là, dans la semaine, on va l'avoir fini. Par contre, One Piece, avant de le faire, je pense que je vais me le faire en solo au moins une fois. Bien. Pour déjà commencer à améliorer certains personnages. Bah, sinon, on pourra le faire ensemble directement. On va galérer au début, mais bon, c'est pas grave. On va bien réussir un jour. T'as passé le sniper? Non, on l'a pas encore passé. Non, on l'a pas encore passé, là. On sera peut-être là très bientôt, hein. Attends, fais gaffe, ici il y a des mecs. Voilà, c'est ici là, il faudrait que tu fasses de l'infiltration comme j'ai fait moi au début. Ouais. Enfin, j'ai un petit peu foiré, mais. Essaye de pas trop foirer comme moi, vu que toi en balle c'est la merde. Soit tu seras obligé de faire Rocky. Hein. Soit je lance un molotov, soit le mec je l'attrape. Soit. Ouais, tu l'attrapes. Vas-y, tu peux là. En plus, là je me rappelle, tu vois ce gameplay ici. Ah. C'est le gameplay de l'E3 à l'époque. On peut pas l'attraper, le Lascar. Tu sais, j'aurais bien voulu l'attraper et puis le foutre dans une autre pièce tranquille à l'abri des regards. C'est pas Hitman. Ça devrait. Putain, mais pousse-toi, Ellie. Bah, toi, de toute façon, là, Florent, tu vas avoir des vies galérées au sniper aussi, tu verras. Quand on y sera. Ah oui, tu vas me voir crever au moins, on va dire 3 ou 4 fois.
Ouais, parce que je me rappelle quand t'avais quand même un peu. Là, si je passe dans le couloir, est-ce que c'est risqué? Bah, tu peux le prendre lui. Hein. Attends, fais gaffe. Ouais, tu peux. Oui, bah, me fait peur cette Ah, moi aussi, elle m'a fait peur la Oh gorge. là 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 là. Ah, bah, foutu les boules. Ah, grave, elle m'a fait flipper. Ouais, c'est surtout, c'est là, comme ça, d'un coup, à court là. J'ai cru que l'autre, il allait te choper. J'ai cru que j'avais été vu par un Tiens, masqueur. custom. Je crois que tu peux customiser un truc là. Ça, bah, vas-y, la santé. Ouais, La je santé prends avant une tout, comme on trousse dit. de soins. Bah, c'est bon, bah, tu restes comme ça pour l'instant. Hop, une bouteille de gnôle. Ouais, ici c'est quand même T'as vu, assez. là, je suis pas obligé en fait de tous les buter. Je crois que je peux me casser si je veux, mais. Non, c'est mieux de les tuer en fait. Bah, je pense que tu vas passer à côté d'eux de toute manière. Parce que il faut que tu fouilles. Alors, en fouillant, tu vas les voir. Oui, c'est sûr, en fouillant, je vais les croiser. Enfin, j'ai pas encore vu de speedrun de The Last of Us. Moi non plus. À mon avis, il y en a qui le font, mais ça doit être encore des Anglais. Ah, c'est Vu que possible. nous, les Français, on est vraiment à la ramasse sur le. Il y a quand même des speedruns, mais c'est pas des speedruns sur des nouveaux jeux, c'est beaucoup dans les anciens. Comme Resident Evil 4, comme bah ouais, bah tout ce qui est Resident Evil en tout Ouais, cas. Resident Evil 4, 3, 2, On va dire la 1, trilogie quoi. Code Veronica. C'est des speedruns aussi sur d'autres jeux. Fallout 3. Ouais, Fallout 3, j'ai vu un speedrun. Au lieu d'aller voir, t'as vu ton père là, Ouais. enfin tu dois le rechercher, tu vas directement à la fin du jeu. Ah ouais. En fait, t'as juste à faire quoi? Tu dois aller chercher le Jack. Le Jack, c'est le filtre d'eau en fait, c'est pour que tu puisses avoir de l'eau pure. Et c'est ça la mission que tu dois faire de tout le jeu en fait. Ah ouais, tu Puis vois, en fait, tu le tu me trouves. fais pas En fait, chier, quoi. en glitchant, bah t'y vas. T'y vas au machin. Vas-y, mais regarde à travers le mur. Faut que tu t'aides un petit peu avec les trucs au mur. Attends. Fais gaffe à l'autre à gauche. C'est bon, tu peux l'avoir. Ouais, c'est bon. T'es dans le bon angle. Ouais, là, l'autre, il me verra pas. Ouais, regarde à travers. Ah, c'est bon, si tu l'as, tu l'as. Attends, je vais attendre qu'il T'attends qu'il repasse. refasse Ouais, je sa vais route. attendre qu'il refasse sa rampe de l'autre côté. Je vais attendre qu'il repasse cette porte-là, puis hop, je vais aller le choper. Ah bah attends, je crois que tu peux le choper directement là. Là-bas. Ouais, bon, on sait jamais si il se Non, retourne. non, ouais. Ouais. Prends pas de risque. Bon, j'avais un peu moins de temps. Bah tiens, Florian, dis-nous si la connexion passe impeccable chez toi. S'il n'y a pas de problème de coupage, si ça coupe pas. Vu que c'est rediffusé, puis j'ai vu un petit peu dans la vidéo que ça coupait un petit peu. Au début, quand tu commences à streamer. Bah, je pense que tu peux te faire du coltem, non? Ouais, non, il me Non, tu manque peux un te. Ah, tu chiffon. peux te faire une bombe. Fais-toi une bombe. Bombe avec lui. J'aime bien moi. Par contre, la bombe à clou, elle est pas mal. Ah, la bombe à clous, ouais, j'aime bien. Parce que C'est une le de mec, mes il est armes obligé. préférées. Ouais, le mec, il est obligé de se la bouffer en fait. Même s'il y a que un mec de tué, mais au moins t'en as tué un, que la Golden Motof, tu peux carrément louper quoi. Ah, le cocktail Molotov, ouais, tu peux te foirer. Parce que la boîte à clous. Attends, je suis en train de fouiller partout dans le bâtiment. Merde, j'aurais pu rentrer par là en fait au début. Ouais. Ouais, comme ça, je serais passé Hop. directement là, puis j'aurais Hop. esquivé Ouais, les parce qu'en lascars. fait là, David, j'ai l'impression, t'as vu, regarde, ça fait une personne, c'est nous, parce que on se regarde avec le portable. Ouais. Il y avait bah, la deuxième personne, ça doit être Florian, mais t'as vu, ça se barre en fait. Ouais. Et ce que j'ai peur, c'est que c'est la connexion qui fait couper en fait. Ça fait, il revient, ça coupe, il revient, ça coupe, machin. Il est obligé de réactualiser sa page ou je sais pas encore un truc. J'espère que c'est pas. Ah oui. Mon téléphone il est en wifi donc il pompe sur ma connexion.
Ouais, mais ça pompe pas beaucoup vu que t'as la fille là. Oh merde! Oh, mais toi, tu vas comme ça en tout cas. Oh putain, c'est le bornier. À gauche. Ouais, bien joué à notre voix. Oh, je l'ai défoncé. Regarde à travers le mur. Il en reste un là-bas, deux là-bas. Ils ont juste entendu tirer. Là, j'ai pas fait gaffe, je suis parti fou. Non, moi aussi, j'ai pas vu. J'avais pas vu, de toute façon. Bah, je pense que ce week-end, bon, on va se faire ce fameux One Piece Piratoire Last 3. Ouais, je pense. Bon, on va le faire ensemble. Hein. On va le faire carrément ensemble au début. C'est mieux, parce que c'est... Ça fait plus de sensations. Il a... Oh, c'est bon. Il a pas pigé. On revient à travers le mur là. Oh, s'il est tout seul dans cet endroit là, tu devras le tuer. Oh, c'est bon, tu peux le tuer. Ils sont tous au fond. Ouais, c'est trop tard. Je vais passer là, hop. Putain, mais tente-toi, connard. Oui, je suis barré. Ah, ça va, il fait ça rond. Il fait son coin. Hein. Ah, ouais, là-bas. Okay. Oui, il est carrément arrivé là-bas. Pour ça, il t'a plus tué, en fait. Ouais, de toute façon, ils vont revenir. Lui là, bon. Bah, c'est d'autres lui qui fait ça. Hein. Ouais, je pense que c'est celui qui fait ça. Hein. Ah, désolé pour m'avoir bouché parce qu'à mon avis, ça doit défoncer. Vu que la sensibilité du micro est quand même très élevée. Là, mon camarade. Ah, c'est lui qui fait ça. Hein. En plus, c'est un barbu. Mais t'as vu, les. En fait. Dans les jeux vidéo, c'est pas encore réaliste. Les bonhommes, en fait, sont encore cons, tu vois. Ouais. En fait, ils sont pas comme des... Toi, en vrai, les gens, ils font vraiment plus attention que ça. Bah oui. Oh bah vas-y, lui, tu fous une balle. Oh, bien joué. Merci. Non, lui, tue-le avec... Ah oui, ils sont tous les deux au bâton. Lui est pas battu. Putain, mais crève. Garde-toi. Banzai. Oh, l'autre, il a un coltel. Ouais, je fais ça. Je dégage. Putain, mais esquive. Putain, esquive! Putain, 4 fois que j'appuie sur triangle. Derrière toi! Oh, oh, oh. Voilà. T'as vu, là par contre, il est pas con, là, mec. Faut que ça fasse cette chose. Ah, mais putain! Vas-y, prends-le au bâton! Oh, c'est bon. Ouais, elle a bien joué, là. Ouais. Bah mets-toi du... Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Ouais. En plus... Ah, le nouveau câble, il me saoule. Le nouveau câble me gêne. C'est moi où j'ai vu un lascar passant du... J'ai l'impression. Regarde derrière toi. Ça fait un blanc. Ah, il est là. Coup de moteur. Attends. Faut qu'il s'approche de toi, puis poum, coup de bâton. Vas-y. Oui, j'adore. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, j'avais bien vu un lascar passant au courant. Ouais. J'ai pas encore d'hallucination, je suis pas encore fou.
Putain, mais arrête de faire ça, Ellie, tu m'as fait peur. J'ai l'impression que je suis devenu pareil. Au moins, t'as fait le ménage pour l'instant. Attends, je sais pas ce que j'ai bouffé, j'ai la moitié de la gerbe. Putain, mais pousse-toi! T'as dû encore manger de la merde. J'ai bouffé des chips. Ah bah oui, ah ouais, c'est pas très. C'est peut-être les chips qui. Ouais. Bah, moi, quand je mange trop de biscuits apéro, ça me donne la nausée aussi. C'est. En fait, si tu te nourris que de ça, c'est pas bon. Tiens, pourtant, j'en ai pas mangé beaucoup, hein. J'en ai mangé quoi, 3 ou 4. Ah, ça passe mal. Que moi, si j'en mange trop, ouais, c'est. Ouais, ça fait le contraire. Ça me gratte le nez. Ah, par là, c'est la suite, je me rappelle. Ça fait 21 minutes que t'es dedans. Bah, ça va, t'as fait quand même un petit peu vite. Bah, là, surtout, tu vois, je cherche là-dedans les objets et tout. Ouais. Parce que je me dis après, comme je reviens plus ici, tu vois, j'ai pas envie de louper. Des trucs importants ou quoi. Bon, la bouteille, bah, les couilles, on en a déjà une. Ouais, il y a un trou là. Ah, d'accord, rien en fait. Ça. Et le trou. Ça nous fait descendre à l'étage d'en dessous. C'est pas une BD ça? Ah non, j'ai cru. Putain. Ouais, je suis juste pour des machins de. Ouais, y'a quoi. Ouais, mais y'a quand même de quoi faire du cocktail quoi. Ah, tiens, tu peux te faire. Je vais me faire ça, je vais m'en faire deux, vu que j'en ai niqué deux. Ouais. Tiens, elle veut parler. On dirait qu'ils sont allés au plus facile. Non, ça n'a rien de facile. Je voulais juste éviter qu'un claqueur ou un chasseur le fasse à leur place. Ça n'a rien de facile. Crois-moi. Tu sais, ce serait bien fait si je mettais une patate comme ça, ça mettait une pêche dans la gueule du crâne et ça éclatait le crâne. Ça, succès. Beaucoup de Nokien. J'ai rien de parler. Ah, tu vois, votre piste en plus, c'est un jeu que j'ai archi hâte de faire. Putain, mais pousse-toi, Ellie. Ouais, on fera l'aventure. C'est depuis le temps que je voulais le faire. Il y a combien d'aventures en fait là? Ça part du début jusqu'à Dressrosa, la nouvelle île. On fera. Ben, il y a qu'une histoire pour dire en tout, si on prend un personnage différent. Ouais, c'est. En fait, si tu veux, même en si fait, tu prends Brooke ou quoi, c'est la même histoire. Mais sauf que Brooke, normalement, tu l'auras pas dès le début. Ouais. Bah, toi, tu prendras. Bah, aussi, hein. Ce port pas spoilé, t'as vu, Brooke, il est arrivé beaucoup plus tard dans l'équipage. Ah, et puis là, ça prend vraiment. C'est un des derniers arrivés, en fait. Bah, moi, je prendrai un autre mec. Après, t'as Zoro, Sanji, Nami, Robin, Franky, Chopper, Usopp. Je t'ai prendre Zoro. Azor en plus, c'est mon personnage préféré. Géranimo! Là, tu prendras Luffy pour que ça fasse bien, quoi. Pour que ça fasse l'histoire. Bah, lui. Allez. Ah, ouais, puis il va se casser la gueule, on a vu le machin. Ah, oui! Ah, oui. Pas de spy! Ouais. Par contre, c'est Davy qui va se le taper. Normalement, c'était à moi de me le taper, là. Est-ce que t'as voulu jouer avant? Ouais. Ah oui, normalement c'est toi qui te tapes, oui, ça. Bah oui. Oui, bah, tu as voulu jouer? Non, je te donne un mal. Bah non, c'est trop tard. Non. Tu me passeras le step. Quand tu l'auras tué. Putain, qu'est-ce que j'aime pas en plus ici. Ah, moi j'aime pas. Forel, ta gueule. T'inquiète, je vais trouver un moyen de remonter.
Joël, ça fait français ou américain ça? Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que Joël, je sais pas, c'est bizarre. Joël, j'en connais. Bah, des français, il y en a plein, des Joël en France. Bah, vu que le deuxième directeur, c'est un français qui fait The Last of Us en plus. Alors, je sais pas si c'est lui qui a donné ce prénom là. Il a dû enfin l'appeler Robert. Et en plus, tu vois, il a dit quoi ça, malgré que je vais en Amérique, ça va pas me changer mes habitudes avec mon pain au chocolat, mes croissants et puis mon pain. Oui. Bah c'est vrai, hein, t'as vu, en vrai, quand tu vis dans un autre pays, bah tu peux pas t'empêcher de prendre les mêmes habitudes, en fait. Ouais, mais si tu as rien de bien, tu vois, même en vivant dans un autre pays, la plupart des pays, ils ont des croissants, ils ont des pains au chocolat... Bah il y a des trucs français, quoi. Il y a des boulangers. Parce que j'ai vu des trucs comme ça, j'ai vu un reportage des boulangers aux États-Unis, des boulangers français. Bah il y en a plein, hein, qui y vont. Ah moi, ça serait trop bizarre si j'ai plus mon pain et tout, quoi. Bah moi perso, du pain j'en mange pas. Ouais, bah moi c'est quand même une tradition parce que j'adore le pain. Tu vois, perso oui, du pain j'en mange, mais avec tu vois, du pâté ou quoi, ou du fromage. Mais du pain comme ça tout seul. Ouais, mais tu sais ce qu'ils mangent les Américains, c'est pas du pain comme on mange. Eux c'est carrément les trucs qui font grossir à mort là. Les pains en carré là. Les trucs américains. Là. Des pains à hamburger? Ouais, voilà, les pains, des pains comme ça. Là. Ça, c'est des pains de dinde, c'est des pains gros secs. Que nous, c'est du pain plus sain, quoi. Ah, tiens, j'ai la dalle, j'ai envie de me faire un hamburger ce week-end. Bon, je t'en bois ça. Non, là, ça va, j'ai pas faim ce soir. Mais ce week-end, j'ai envie de me faire des hamburgers. Bah, tu peux te faire des hamburgers. Hein. Soit des faits maison, soit je vais me taper un kick. Ouais, quoique, non, je vais faire des faits maison. Ça me dégage. Ouais, non, c'est bon, je joue au quick, mais maintenant le quick il a changé, ça m'intéresse plus. Non, c'est pour ça, moi je préfère me faire des faits maison, au moins comme ça. En faisant des faits maison, je suis tranquille. Tu vois, je le fais à ma sauce, je fais ce que je veux dedans. Qu'est-ce que je veux? Je me mets ce que j'aime. Ici, ça devait être Bibi qui devait le faire. Ça devait être moi. Hein. Bah, si tu veux, je peux te repasser la manette. Hein. Bah non, c'est trop tard, t'étais pressé hier. Enfin, avant-hier. T'étais pressé. Ah, mais ça me dérange pas, hein. Je peux te redonner la manette, tu fais ça, puis tu me repasses une fois que tu l'as passé. Non, je l'ai pas de problème. Non, je peux te faire le sniper si tu veux, hein. Si ça te saoule. Non, je vais le faire, le sniper, j'aime bien. Si t'aimes pas tirer. C'est juste ici que j'aime pas, donc si tu veux, je peux te le laisser. Hein. Et en plus, ça va être marrant quand tu vas te taper pour moi un autre truc comme ça, plus tard. En fait, tous les pires passages, c'est moi qui me les tape, putain, ça me déprime. Et c'est moi qui allais taper ce passage en plus. Hein. Ah, ça fait, moi je dis rien, hein, c'est ok, c'est en fait, t'as attendu demain que je finisse mon coin à moi, et comme ça, le prochain stream s'arrête et tout. Ah, mais je m'en rappelais plus que je devais me faire ça. Si je m'en serais rappelé, je t'aurais pas fait la manette. Pour dire, tu vas jouer un peu plus que moi en fait. Ouais. Moi ça me dérange pas, mais au moins ce qui est marrant c'est tu te auto-détruis tout seul en fait. Parce que tu fais oh putain tu es passé de merde. Je m'en rappelais plus tu vois qu'il y avait ça, si je m'en serais rappelé je t'aurais laissé la manette un peu plus longtemps. T'inquiète pas, je le sais hein. C'est pas ça, heureusement que tu te rappelles plus. Toi tu t'en rappelles enfoiré. Bah en fait c'est pas que je m'en rappelais, c'est que j'y pensais pas en fait. Ouais t'es comme moi, j'y pensais plus à ce passage là, ça fait si j'y ai encore pensé, j'aurais dit ouais bah QQ c'est quoi, tu vas garder la manette. Bah tu m'étonnes que tu me l'auras passé. Tu vois, je commence à me repérer avant dans l'immeuble, au moins comme ça après je sais par où je dois tracer mon chemin pour me barrer. Ouais. Donc déjà je sais que c'est pas par là. Si je me barre par là, je... Oui. Ah ouais, tu les as tous maintenant. Portal là. Niquez vos mères. Qu'est-ce que t'as avec les mères? Bon, faut que t'ailles scanner la carte de merde. Non, faut que je démarre ça. Ah, tu sais pourquoi? Tu l'as eu? Parce que j'ai récupéré la carte magnétique quand même. Ouais, t'as dû récupérer d'abord. Enfin, t'as dû. Casse-toi! Oh putain! Putain, gros en plus! T'es mort. Nine, jamais.
Lâche-moi, ça mon père. Ouais, t'as pas dessus, sinon t'as l'autre. Ouais, bien. En plus, il fallait que j'active la manette. Yeah. Oh, c'est par là. Putain, mais scan à côté, tête de con. En plus, il prend son temps. Allez. Oh, j'ai bombardé. Oh, ça, t'as fait vite quand même. Le bug. C'était pas si dur. Ouais, j'ai bombardé de ouf. Fais gaffe, ici y a pas des bugs. C'est pour ça que je me... Ouais, je pense que t'as entendu parler. Ça fait... Ouais, putain, j'ai galopé. C'est bien, t'as économisé des balles, en tout cas. Bah oui, j'allais pas tirer sur les machins. Mais hey, en tout cas, t'as mieux joué que moi ce passage-là. Tu te rappelles, je cherchais. Je cherchais la carte, moi, en fait. En fait, pendant que j'avais les monstres au cul, je cherchais la carte partout. Ouais, toi, t'as bien fait peur quand même. Ouais, mais c'était. Hey, mais bon, là, en fait, t'as eu quand même de la chatte parce que vu que les bestioles, ils ont pu te défoncer pendant que tu démarres le moteur. Ouais. Vous savez, ils ont été cons, ils ont pas... Les flèches, tu la fonds, non ouais. Les flèches, ouais. Fusil à pompe. Soit je fais le fusil, ou on commence le fusil à pompe. Fusil à pompe. Capacité du chargeur. Ouais. Recul ou cadence de tir? Le recul. Pour éviter que tu te barres trop à l'ouest. Cadence de tir. Chargement, cadence de tir, pour avoir une meilleure portée. Enfin, une meilleure... Meilleure cadence de tir. Ouais. Ouais, c'est quand tu tires. Bah, 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 bah. Voilà. Hein, bon, on finira avec le fusil plus tard. On fera beaucoup ouais, la cadence de tir. Pour l'instant, le fusil. On va le garder un peu. On va jouer avec les flingues. Ouais. Non, mais sinon, le fusil, on continuera toujours à améliorer la cadence de tir. Pour, histoire d'avoir une. Ah, il y a des bestioles. Non, c'est des burners. Ah oui, il va se faire tuer, oui. T'as vu ici, normalement, je devais le faire, là. Tu te rappelles ? Ouais. Alors, Florian, ça marche nickel, la connexion, ou ça déconne un petit peu, quand tu regardes le stream ? Je voulais te poser la question, je sais pas si t'avais entendu. Bon, ça, l'autre, il a le dos tourné. Lui, je vais choper. Vas-y, tu peux là. Attends. Non, non, pas tout de suite. Là. Là, je peux le choper. Viens par là. En plus, il a un fusil à pompe. Non, non, non. Voilà. Fais pas de bruit. T'as vu personne. Chut. Là. À gauche. En fait, c'est un tic en vrai. Ça, c'est... En fait, c'est nous, on est trop dedans. Tiens, tu peux customiser un truc. Non. Je peux pas faire de beauté clou. Eh, il y a un nouveau DLC, enfin une nouvelle map gratuite sur Rainbow Six. Ah. Oui. Gratuite. Même si t'as pas le Season Pass, tu l'as gratuit. Juste la map. Pour les nouveaux agents. Les nouveaux agents, il faut les acheter. Ils sont culés. C'est les Canadiens. Ouais, ils sont cheatés. Hein. Il a mitraillé avec lance-grenade. En fait, tous les Kikou vont le prendre. C'est la map du bateau. Ah, elle est archi belle, la map. En fait, c'est carrément t'attaques dans le bateau, quoi. Ah ouais, c'est stylé. Dans la neige, hein, et tout. C'est carrément c'est dans un lieu glacé. À mon avis, c'est au Canada. Parce que si les agences canadiennes. Merde, putain, il est barré où l'autre Lascar? Oups. Là-bas, là, à droite. À ta droite, là-bas. Oh. T'as vu, c'est alors. C'était mieux de faire la portée à fond. Ouais, j'ai fait Sniper Wolf. T'as fait Laurent Wolf. Bon, il reste que un. Soit j'ai le choix de récupérer ma flèche Charles Maccabée qui allait. Là. Oh, attends, bouge pas, il n'y a pas un à toi.
Moi, tu viens ou t'attends le déluge? Tu viens, Jean-Michel? Sinon, c'est moi qui viens te chercher, je te fous des coups de plongeon à gueule. Oh putain, ça doit faire un charme. Là, dans Fallout 4, là, y a encore une petite quête que j'avais pas. Que j'ai zappé en fait, enfin, que je savais pas. C'est avec la confrérie de l'acier. Ouais. C'est carrément, je dois former un gosse en fait. La confrérie. Par qu'ils prennent la relève de. Bah en fait, c'est des futurs recruteurs quoi. Ouais. En fait, c'est des futurs. Des futurs membres de la confrérie quoi. Ouais. C'est un gosse en fait. Faut que j'y apprenne comment se battre et tout. Tu me vois avec le sabre chinois. Ouais, t'as un katana dans. Ouais, c'est pas un katana, c'est comme un katana, mais c'est un truc chinois. Je sais plus. Ouais, mais il est customisé, ça fait. Pour moi, c'est même pas un katana. Ah, mais il est archi puissant. J'ai même pas besoin de tuer les mecs avec les flammes. Ah ouais. Pour moi, deux coups, je tue le mec. Oh, c'est abusé. Putain, j'ai la formule dans la main. Là. Ah ouais, là, cutez-vous. Parce que si tu te rappelles. Lâche-moi, salopard. Couche. Et hop, tu attends. Bon, vas-y, Joël, arrête d'abuse. Ah, mais c'est fait exprès, c'est pour que. Il a largement pu l'avoir, le fond. Tiens, dans ta gueule. J'ai vraiment pas loupé ce type, hein. Ah, ouais, il a mis un piment. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à. Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Non. Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Sale gosse, tu vas m'écouter ou je te claque la gueule? Je te claque le bain. Viens parler à tonton Joël. Viens. Viens. Couche. L'autre, il balle en pleine tête, paf. C'est vraiment pour louper ce type, tu m'étonnes pas. Ah ouais, là, elle l'a bien défoncé. En même temps, elle a visé bien le canon sur sa tête. Ouais, mais tu vois, là, d'un côté, je dis, Joël, c'est un bol enfoiré quand même, il aurait pu dire. Il aurait pu mort. Dire au moins merci, ce sans lui, il serait mort. Ouais. Mais c'est trop dur de dire merci, espèce de vieux con. Reste là, ok. Oui, t'as compris, tu bouges pas. Ah, il veut pas. En fait, il l'envoie chier parce qu'il veut pas faire d'amitié. Il veut pas d'amitié avec elle, en fait. Il veut pas être son copain. C'est juste parce qu'il a peur de la perdre avec. Oui. L'amitié, après, dans ce monde de merde. Ah, d'un côté, tu vois, je le comprends quand même. Ce. Oui, parce que perdre sa fille et en même temps, là, encore une fille à peu près de son âge qui fait passer à sa fille. Il va se dire, ah non, faut pas que je commence à avoir d'amitié avec. Mais après, il va avoir de l'amitié quand même, parce que grâce à lui, plus ce sera plus tard, mais j'en dirai pas plus. Vous le saurez vous-même. Ce que je dirai. Là, on n'est plus très loin du sniper, hein, je crois. Non. Bah déjà, il faut qu'on voit le noir, là. Les deux gosses. Dans une demi-heure, trois quarts d'heure du gameplay, je suis là-bas. Ouais, parce que c'est eux avant déjà. Mais c'est quand même assez triste quand même, hein, avec eux, le passage. Ah, c'est triste. Je vous en dis pas plus parce que c'est vrai, déjà, je vous dis trop, mais c'est avec triste quand même avec eux. Mais je sais pas si on le verra ce soir ou demain, ça. Enfin, pas demain, après-demain. Le passage triste ouais. Enfin, le passage par là. Bah, en fait, ça dépend comment tu joues, peut-être oui. Peut-être là. Bah oui, c'est après. Ouais, c'est. Ce soir, oui, ça doit être faisable, je pense, mais. Ah ouais, normalement, c'est moi qui dois me taper le camtar. Oh, tu vas m'en chier. Ah bah ouais, putain, c'est moi qui me fais ça aussi. Oui,
tac 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 tac, mais tu dois te planquer à chaque fois. Oh putain de mur. Ouais, franchement, là, ça va être pas mal ça. On peut sortir par cette porte. Hé, tu vois un moyen d'aller là-haut? Ah ouais, tu peux faire du piano. Touche même pas. Ouais. T'entends des bruits, mais ça, il touche pas en fait. C'est pas bien fait. Merde, c'est plus lourd que ce que je croyais. Tu peux m'aider? Sûr que tu peux compter sur moi? Ellie. Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? Pousse plus fort. Il aurait pu le basculer de l'autre côté. En plus, en piano, c'est pas si lourd que ça. J'en porte un tous les matins en me levant. Moi, quand je porte mon Breitner, ça fait deux fois un négation quand même. Tu sais, je te remets un coup sur le front, je t'assomme. Ouais, puis comme je t'ai dit, un mec qui il peut mettre de la pâte au lieu de la pâte tarée, il met de la mayonnaise. Non, mais lui il est cinglé. Ouais, mais tu rigoles, mais ça marche. Ça fait la même température. Ouais, possible que ça marche, mais franchement, moi je ferais pas ça sur mon PC. Ouais. Non, c'est faisable, mais après ça pue quoi. Quand tu dois l'acheter, tu dois changer. C'est juste l'odeur. Parce qu'en fait, la pâte de la mayonnaise, toi, ça c'est épais, toi. Ah ouais. Ça, c'est aussi épais que presque comme une pâte thermique. Mais la pâte thermique, c'est plus épais que ça. Mais ce qui paraît, la température, c'est pareil. Ah, par contre, là, Jérémy, il m'a bien aidé, par contre, quand je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, normalement, un PC devrait être dans les 40 degrés en faisant rien. À peu près. Ah, mais moi, il était à 30. D'habitude, moi, il est à 30-35, moi. Quand il bouge pas. Je suis à 70 degrés à fond. Là, quand je joue à un PC à fond. C'est Battlefield dans ton rang. Ouais. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil. Fais reculer le levier. Soulève. Désolé si ça vous a niqué les oreilles. Tu vas devoir recharger. C'est les alertes SMS. Si tu vois que ça chauffe pour moi, c'est les SMS. Ah, mine de rien, elle va bien t'aider quand même. Ouais. Si tu fais pas de bavure, elle va bien t'aider. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Y'a pas de quoi. Putain, et à chaque fois qu'on joue à The Last of Us, j'ai l'arrêt qui siffle. C'est qui le fumé qui parle de moi? C'est Ellie qui pense à toi. Si je le trouve, j'y claque le beignet. Ah, là, si, chose. Oui. Oui. Oh, 3. 4. Ah, oui. Je te sens la balle illimitée, Ellie. Ça a abusé pour une petite, franchement, regarde, elle tire archi bien. La meuf, elle a jamais utilisé une arme de sa vie. Si, elle l'a dit, oui. Fusil à billes. Il a... Bon, elle l'a défoncé. L'autre, il a le jeté un cocktail, là, il a jeté... Oh, il y en a 5 qui arrivent. Une balle dans la 4. Gueule. Oh, putain, ça pète de partout. Attends, baisse-toi. Continue comme ça. Ah, elle est en train de les dégommer. Et puis tout. Ah. Il est mort. Ah, merde. Oh putain, il l'a jeté vers chou. Je sais pas d'où est-ce qu'il me l'a acheté, mais... Non, il l'a acheté archi loin. Ça fait... J'ai cru qu'il allait... C'est bon.
Moi, je m'attendais pas à la voir. Vas-y. Viens par là, Sharon. Paf le loup. Mais tu m'étonnes, j'y étais en courant. Là. Il tire même plus tard. Oh putain, là, cocktail. Molotov. Non. Wow. Oh, t'as chié. Ah, mais je voyais pas où est-ce que je le jetais. Oh, bah, d'accord. Non, bah, le jette plus. Ah, oui, c'est souvent dans les flammes. Là, à ta droite, en haut. Bien vu. Oh, l'enfoiré. Ouais, c'est trop tard, il y a l'autre en bas là, qui va te faire chier. Ah, il arrive, il fait le tour. Vas-y, appuie là pour voir. Non, bah c'est bon, il est parti, il est de l'autre côté. Oh, de l'autre là. Oui, il y a un seul but là-bas. Vas-y, faut qu'il y aille là. Bon bah c'est bon, elle l'a eu. Bien joué. Ah, franchement, ça sert à bien la game. Au tir à la carabine à la fois, elle devait tout le temps gagner le gros. Ah, y'a mis un pémos. N'empêche, t'as vu, y'en a deux qui allaient me tirer dessus avec un côté molotov, elle les a défoncés. J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille? C'est juste pour les urgences. Ok. De toute façon, pour ceux qui ont fait le DLC ou quoi, ou pas, si elle s'est tirée, c'est normal. Parce qu'au final, j'ai envie d'y penser. Faut jouer au DLC. Ah oui, faut jouer au FBI. Ouais. J'avais oublié le DLC. En plus, on l'a dans la version PS4. Ouais, tu l'as gratuitement. Bon, bah, en même temps... tu leur rajoutes le jeu sur son bas. Ils peuvent bien quand même, non? Non, puis franchement, tu te rappelles quand je l'avais acheté sur PS3 le DLC? Ouais, franchement, j'étais quand même assez déçu. Attends, j'ai payé le DLC, je crois que c'était 20 balles. 15 euros. Ouais, 15 balles. Et franchement, vu la gueule du DLC, pour moi, je m'étais bien fait baiser. Bah, en fait, le problème, c'est. Les DLC, c'est devenu tellement populaire maintenant que les gens ils achètent, ça fait qu'ils font des DLC. Toi, si ils font le jeu incomplet. Tiens, oui, ça je comprends. Tiens, je comprends qu'ils fassent les DLC. Oui, les DLC, oui, c'est bien ce que je dis. Je comprends qu'ils fassent des DLC. Mais qu'ils te pendent pas un DLC de 20 minutes qui te coûte 20 balles, quoi. On n'a pas besoin de lucioles, d'accord? Ce sont eux qui ont commencé le combat, mais c'est nous qui avons fait tout le boulot. C'est notre sang qui a coulé dans la rue. Je ne veux pas aller me battre dans d'autres villes. C'est à elles de gagner leur indépendance. Et je refuse de recevoir des ordres d'un chef des Lucioles. À l'autre bout du pays, je suggère qu'on se débarrasse d'eux avant la fin des combats. C'est notre ville, notre peuple. Je ne vois pas pourquoi on serait dirigé par quelqu'un d'autre. Non, moi je comprends pas les DLC. Ils sont victimisés. Non, en fait, moi les DLC, moi ce que je comprends pas, c'est que depuis qu'il a les DLC, en fait. C'est pognon à mort. Toi, style, les gens, ils font. Enfin, les développeurs, ils font des jeux incomplets. Parce qu'ils se disent, tiens, DLC, hop, les gens, ils vont faire les pigeons, ils vont racheter juste un bout du jeu que je devais mettre dans la version finale. Mais qu'en fait, non, je vais la mettre en version DLC, comme ça me fera plus de pognon, toi. Moi, je trouve que c'est un peu du profitage. C'est un coup de gueule, moi, pour moi, les DLC. Il y a un truc que je vais dire, tu vois, ça va peut-être faire avec Kikou ou quoi, tu vois, je sais pas. Mais tu sais, quand j'ai acheté Thales of Zestiria sur PS4, ouais. J'ai eu un code DLC pour avoir une aventure en plus, des costumes, des nouveaux arts, mais il fallait que je rentre mon code en fait sur Bandai.
En fait, il fallait que je me crée un compte Banzai et que. Et que je mette mes codes dessus et tout. Mais ouais. Pas mes codes de carte bleue, hein, les codes que j'ai eu dans le jeu. Oui, les codes du jeu pour avoir l'histoire supplémentaire. Et quand j'ai acheté Sword Art Online, ça m'a fait pareil. J'ai eu. Par contre, là, j'ai pas eu besoin d'entrer le code, j'ai eu directement le DLC offert dans ma console. Oui, mais là, c'est pas. Ouais, mais là, c'est différent, Luigi, t'as pas fait le kikou. Parce que là, c'était gratuit. Ouais, si t'as juste fait créer un compte Bandai. Et le compte Bandai, c'est gratuit, c'est gratos. Ouais, ça fait que t'as pas mis un centime. Ça fait que non, tu t'es pas fait pigeonner. Crois-moi bien que si les arts dans Thales, il aurait fallu que je les paye avec le petit DLC d'histoire, crois-moi bien, je les aurais pas payés. Ouais. Bah, c'est pour ça que non, là, ça valait le coup parce que c'était juste créer un compte gratos. Quand bah, tu t'es dit, bah tiens, c'est gratuit, je vais créer un compte, ça coûte pas plus cher. Rien, ça mange pas de pain, tu vois. Ouais. Comme dans Sword Art Online. Ouais, voilà. Sword Art Online, j'ai eu l'histoire gratuite dans le jeu, mais crois-moi bien que je l'aurais pas acheté à part, vu que déjà c'est tout en anglais et je comprends pas l'anglais. Ouais, bah oui, c'est chiant. Par contre, j'avoue, ce qui est bien, c'est que tu peux créer ton propre perso et tout. Ça, c'est nickel, ça. En fait, tu crées ton perso qui vit l'histoire dans Sword Art Online. Bah, hey, The Division, tu crées ton perso. Ah ouais, ça, c'est mortel aussi, ça. Par contre, c'est archi bien, t'as, en fait, dans Division, j'ai vu des gameplays. En fait, t'es dans la ville de, je crois, Manhattan ou New York, tu te balades, et c'est, on croirait vrai, quoi, tu vois des civils et tout qui se baladent. Tu peux leur péter la gueule. Tu casses la gueule aux civils. Ils sont agressés, et toi, t'es là pour les défendre. Ouais, par contre, putain, la caméra, pourquoi elle veut pas tourner? T'as un truc, là. Ouais, je l'ai vu. Ouais, j'ai cru que t'avais oublié. Merci quand même. Ouais, de rien. On sait jamais, hein. C'est ouais, on sait jamais, tu vois. Vaut mieux avoir deux perdus que une, quoi. Ouais. Si je l'aurais oublié, t'as bien fait de me le dire. Alors, t'as eu combien de pièces maintenant? Ouais, 46, vas-y. Fais péter ça. 86. Cadence de tir. Et les vitesses, on s'en fout pour l'instant. Fais les autres. Fais les autres. Il y a quoi? Lunettes. Bah, lunettes, ouais. Ça, ouais, voilà. Là c'était archi bien amélioré. Là. T'es archi bien amélioré. Non, en fait, les vitesses de rechargement, ce sera à la fin. Ce sera vraiment le truc à la fin, ça. Ouais, je les ferai en dernier. Ça. Voilà. Cours, cours. Tiens, il y a ton ami. Ah, bonsoir, Navao Bru. Comment vas-tu, Navao? Ouais, on va dire Navao. Ça va être plus rapide, ça va être plus Navao facile. Bru, en fait, c'est en croix, on doit l'articuler complète. Allez, salaud. Putain, ça m'énerve de voir ça. En plus, juste pourquoi? Pour rien du tout, quoi. Putain, mais je me dis, d'un côté, eux, ce qu'ils font, c'est peut-être la mentalité de certaines personnes quand il y aura l'apocalypse. Bah oui, bah c'est ça. Quand un jour l'apocalypse sera là, crois-moi, faut faire confiance à personne. C'est clair. Tu vois des mecs, vaut mieux se planquer ou les buter, toi. Ils sont armés de son capot, toi. Attends, c'est... Ouais, non, mais dans la réalité, ça sera comme ça. Il y aura des gens qui voudront ta peau, pourquoi? Pour un centime ou pour tes chaussures? Même pas, puisque l'argent n'aura plus aucune valeur. Non plus. Ouais, mais eux, ils vont tuer pour le plaisir, parce qu'au final, ils vont piller pourquoi? Ça sert à rien. Ils prendront tout ce qui est, tu vois, matériel, style si t'as des armes, de la bouffe... Ouais, mais regarde la gonzesse, là, la Vigdal. Ah, ça aurait fait pareil. Ils ont peut-être cru... Au début, ils voulaient prendre ses godasses. Ouais. Ils voulaient barbe ses choses. Attends, tu es quelqu'un pour ses godasses, c'est vraiment con, quoi. Je sais pas, tu peux pas négocier avec une personne. Je sais pas, ça fait humain, quoi. Tu lui dis, si tu veux survivre, tu me donnes tes godasses. Je sais pas, tu fais un échange, quoi. C'est. Je te protège derrière, tu me passes des trucs, quoi. Je te protège, tu me passes tes pompes. Tu passes tes pompes. Putain, pousse-toi, Ellie! Putain, mais dégage, bah oui, connasse! Putain! Puis Benji, il a l'arrache. Ah oui, c'est à cause de l'autre conne là, putain, elle serait pas mis dans mes pattes. Parler de voiture. Bah franchement, le camion, il était quand même... C'était un peu stylé, quoi, avec le corps du mec sur le capot. Ah, ça fait un style de... Là, pour moi, il y a une seule voiture qui vaut le coup d'être achetée, et pour moi, c'est la meilleure voiture. T'inquiète. La Mustang. Mustang. La femme Mustang.
C'est les meilleures voitures, les Mustangs. Pour, enfin, après, pour moi, tu vois, c'est, ouais, c'est chacun ses goûts, quoi. C'est mon avis perso, mais pour moi, les Mustangs des années 60, c'est les plus belles. Ouais, je sais que les Mustangs, déjà, ils sont beaux, c'est des belles vannes. Pour moi, les Mustangs des années 60, c'est les plus belles. Il y en a aucune qui leur arrive à la cheville, surtout en muscle car. Après, tu vois, je dis pas que... Putain, mais casse-toi! Ah, mais casse les burnes. Se connaissent, bah. Tu vois, après, je dis pas que les voitures de maintenant, ils sont moches, hein. Il y a des belles bagnoles aussi, maintenant. Surtout la Bugatti Veyron. Ouais, bah oui. Elle est puissante, hein. Elle est archi puissante, moi. Ah, j'ai vu un truc sur Internet. Il y a une Bugatti, déjà, t'as vu, la Bugatti de base, elle est à 2 millions et quelques d'euros. Ouais. La R8 est pas mal. Ouais, c'est vrai que l'Audi R8 est pas mal, mais... Audi, tu vois, c'est une bonne marque de bagnole, mais c'est pas une marque que je suis fan. Enfin, personnellement, quoi. Ouais, personnellement, je suis pas fan de Audi. Mais la Audi R8, oui, c'est vrai qu'elle est belle. Merde, putain. Là, bah, comme je disais, j'ai vu sur Internet une Bugatti Veyron, tout en or. Déjà, la Bugatti de base, c'est 2 millions, t'es d'accord avec moi? Mets-toi à transparent. Enfin. Celle-là, elle était à 7 millions. Attends, laisse-toi tirer. Mais oh non. Ah, mais elle galère à niquer le Lascar. Putain, t'as besoin d'un coup de main, Ellie? Demande à tonton Joël. Ah, moi, tout ce qui est bagnole, on m'en parle même pas. Je connais... bah, ça, toi, je suis pas connaissant. Je suis pas... Toi, t'es pas trop fan de bagnole. Moi, c'est pareil, tu vois, les voitures, j'aime bien perso. Mais je préfère les motos. Je trouve une moto, c'est plus classe, tu vois, t'as plus de sensations, en fait, au niveau de la conduite. Mais sinon, c'est vrai que il y a des bagnoles, franchement, ils sont hyper belles. Là, bah, j'ai vu, il y a pas longtemps, dans notre région à nous. Oh, c'est bon, ça a pété. Ouais, ça, c'est un bout de verre qui a dû péter. Ouais, j'ai pété le truc en tirant dedans. Ouais. Dans notre région, j'ai vu... Putain, pousse-toi, Ellie. C'est quoi tes jeux vidéo préférés? Mes jeux vidéo préférés, bah, déjà, il y a la saga des Resident Evil. Les trois premiers, le 1, le 2, le 3 et le Code Veronica X. On va dire le genre, c'est beaucoup les survival horror, quoi. Survival horror, RPG, MMORPG, tactical RPG, jeu de rôle, bah, de toute façon, c'est RPG. Ce que j'aime bien aussi, c'est les jeux d'enquête, tu vois, style Sherlock Holmes, Professeur Layton. Enfin, Professeur Layton, je suis moins fan, mais Sherlock Holmes, par contre, j'aime bien. Bah, le dernier qui était sur PC était pas mal. Sur console aussi. J'aime bien aussi les jeux de voiture. J'aime bien les jeux de moto. Wow, il s'est passé quoi? Bah, il y avait une bombe juste là. Ah, je l'ai pas vu. J'aime bien les jeux de basket. Mais sinon, vraiment, mes jeux vidéo préférés, ouais, c'est les premiers Resident Evil. Moi, QQ, alors. Moi, j'aime un peu, j'aime comme lui, en fait, à part les jeux de rôle. Sinon, j'aime bien les RPG, ouais, les survival horror, surtout les survival horror, j'adore. Après, ça dépend des survival horror, parce qu'il y en a, franchement, ils sont pourris. Hein. Mais sinon, les survival horror, c'est la base que j'aime bien. J'aime bien les RPG, ouais, comme Fallout, Skyrim, bah, The Elder Scrolls. Oblivion, j'ai pas trop aimé, surtout c'était au début, quoi. J'ai pas trop... C'était Skyrim que j'ai adoré. Les jeux de voiture, non, pas vraiment, en fait. C'est vraiment occasionnel. J'aime bien les jeux de foot. Enfin, les jeux de foot, pas non plus à fond à caisse, mais j'adore. Tu te fais tirer tous les jeux... Les jeux MMO sur les free-to-play sur Internet, j'aime pas. Enfin, c'est pas mon style de jeu. Mais ça, David, il aime bien. En ce moment, il y joue. Nouveau MMO. Moment, un nouveau MMO free to play gratos, mais après derrière, si tu veux améliorer, tu peux payer si tu veux vraiment avoir un stuff beaucoup plus puissant. Il y a quoi d'autre comme jeu? Les jeux d'enquête, ouais, j'aime bien aussi, j'aime bien quelques point and click,
Il y a des point-and-click que j'aime bien. Il y en a un que j'ai pas fini qui est pas mal. C'est con, par contre, c'est sous-titré français. Il y a le jeu en anglais. Mais j'aime bien, il est assez bizarre comme jeu. Je sais plus c'est quoi. En fait, c'est depuis qu'il a volé. Toi, le mec, il a volé une bague de son meilleur ami. Puis en fait, la bague elle a un pouvoir étrange. Ah, puis... c'est pas Life is Strange. Non. Bah non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça. C'est un autre truc. Bah non, tu joues un mec en fait. C'est un mec avec un autre mec. C'est son meilleur ami, toi. Puis en fait, il est avec sa femme. Puis lui, en fait, il a voulu la voler en fait. En fait, c'est pas qu'il. En fait, c'est pour un moment, il avait son portefeuille, mais il avait pris la bague, toi. Puis la bague, en fait, elle a un pouvoir vraiment que ça porte la poisse. Tiens, là, tu peux l'avoir. Ouais, je l'avais vu, le mec. Puis en fait, depuis, il doit revivre les mêmes passages, en fait. Ah ouais. C'est pas mal. Hein. C'est un style, en fait, il faut qu'il sauve son ami, en fait. Parce que à chaque fois, quand il se passe une journée, son ami, il meurt différemment. Ouais. Puis toi, en fait, il faut que tu arrives à récupérer la bague et, je sais pas, la brûler ou un truc. Parce que quand tu parles à des mecs, il y a un clochard qui l'a dit, ouais, je connais la bague et tout, elle a ruiné ma... Ouais, voilà. Puis toi, à mon avis, bah, c'est là-bas qui porte la poisse, quoi. Ça fait, bah, toi, à mon avis, tu dois la... En fait, là, je dois la récupérer, la bague. Puis il faut que j'essaie... Mais la bague, elle est partout. Tout le monde l'a acheté, et puis il faut retrouver la personne qui l'a acheté. Ouais, pour pouvoir la racheter. Ouais, et puis en fait, voilà, je le savais que t'allais te la faire. Putain. Et en fait, bah, ça fait que pour sauver son meilleur ami, bah, il faut qu'il puisse avoir la bague. C'est comme le film Un jour sans fin. Là. T'as style, il se réveille, puis il se passe pas le même truc. Il se passe le même truc, mais. Ah, c'est. Merde, je sais plus c'est quoi. Bah, en fait, c'est Un jour sans fin. Mais ça fait un peu pas le même truc. Désolé pour le bruit. C'est PlayStation qui me dit que je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi. Ah, mais sinon, c'est un bon jeu. C'est un bon point et clic. Je l'ai pas fini, mais il faudrait que je le finisse. Pour l'instant, mon PC surchauffe trop là. Je vais attendre de mettre de la pâte thermique et après, ensuite, je vais finir. Franchement, il est pas mal, mais là, je galère là. Faut que je trouve la suite. Dis-toi, là, je mériterais une claque dans la gueule parce qu'il y a un jeu que j'ai oublié que je suis fan depuis que je suis gosse. C'est. Tu viens d'entendre le bruit dans la sonnerie. Ah oui, Final Fantasy quoi. Voilà. Ouais, mais bon, c'est un jeu de rôle, c'est pareil, c'est un mémoire. Ouais, mais c'est une de mes licences préférées, Final Fantasy. En fait, jeu de rôle, oui, j'aime bien parce qu'en fait, je viens de comprendre un truc. Jeu de rôle, attends, on a fini de traquer les survivants dans la ville. Une poignée de soldats se cachaient dans l'hôtel. On s'est occupé d'eux. Quelqu'un d'entre nous ont attaqué leurs fortifications, en ce qui en restait. La plupart des gros engins ont été détruits dans la bataille. On n'est pas prêt de piloter en chair. Idem pour la grosse artillerie, il n'y a que leur 4x4 qu'on a réussi à réparer avec sa mitraillette de calibre 50. Montez en tourelle. Ce truc est indestructible. Je serais curieux qu'on vienne nous emmerder maintenant. Nous emmerder. S'emmerder. Alors, pour toi, le meilleur jeu 2015. Par contre, on va réfléchir vite fait. Le meilleur jeu 2015, bah, c'est vrai que. Bah, moi, j'ai trouvé moi, le meilleur jeu 2015, The Witcher 3. Pour moi. C'était le jeu de l'année, bah franchement il mérite parce que de A à Z, Witcher, j'ai aimé le jeu. Que ce soit la bande son, l'image, le charisme du personnage, le gameplay, quand tu tues des bonhommes, tu peux leur couper la tête à la fin. C'est... Non, franchement, le Witcher pour moi c'est le meilleur jeu de 2015, pour ma part. Franchement, moi j'hésite. Et il y a Fallout 4, hein. Mais Fallout 4, je trouve qu'il est moins bien que The Witcher, même si c'est pas le même jeu. Tu vois, pour moi qui a pas joué à The Witcher, pour moi ça serait Fallout. Puisque j'ai pas fait The Witcher, mais enfin. Mais moi, Fallout, tu l'as. Ouais, mais Fallout, tu l'as pas fait entier. Ouais, je l'ai pas fait entier, mais. Parce que pour juger Fallout, il faut le finir, toi. Ouais, je sais, c'est sûr, mais tu vois, si je dois juger les jeux de 2015, franchement, en 2015, il y a pas énormément de jeux que j'ai vraiment aimé. Mais pour moi, The Witcher 3, Devil, fais-le The Witcher 3. Il est archi bien. Par contre, t'as des missions, tu vas te péter une barre. Bah. Tu vois, si je devais juger les jeux de l'année sur 2015, pour moi, ce serait Tales of Zestiria. C'est un des jeux que j'ai kiffé à mort. Mais sinon, The Witcher 3, il y a une mission que j'ai adorée, c'est quand ton personnage, il joue un rôle dans le... Comment on appelle ça ? Just Cause 3, ah, celui-là je l'ai pas fait non plus. Just Cause 3, pour moi, il est bien, mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas le jeu de la vie.
Et sinon aussi, Navao, c'est quoi toi tes jeux préférés? Bah pour moi c'est, bah il l'a dit, hein. Pour moi c'est, bah, c'est sûr. Non, c'est, tu vois, Sony nous a demandé nos jeux préférés. Et moi je voudrais bien savoir, lui c'est quoi ses jeux préférés, tu vois, style nous c'est Resident Evil, des trucs comme ça. Ouais. Pour moi, pas juste au cause, mais The Witcher 3, il y a une mission que ouais, quand même, j'ai pas fini d'en placer. En fait, c'est dans Witcher 3, tu joues une mission, je crois que c'est une mission secondaire ou une principale. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai fini Witcher 3. En fait, tu joues carrément dans un théâtre. C'est archi marrant. Pendant un moment, puis t'as des mecs qui s'embrouillent, ils arrivent, puis je sais plus, le mec il a dit, ouais, t'as quoi toi, je sais plus. Ah, j'ai bien aimé aussi, moi, cette année, c'est Assassin's Creed. Oh, moi, ça sent. Enfin, l'année dernière. Ouais, bah 2015. Ou Star Wars Battlefront, mais il est plein de défauts. Bah, Star Wars Battlefront, il est beau graphiquement, mais moi je trouve qu'il est incomplet par rapport aux anciens Battlefront qui étaient beaucoup plus complets et que. Ouais, graphiquement, il était moins bien, mais... En fait, le problème, c'est ça. C'est soit graphiquement, il est beau, mais il est incomplet, ou soit le jeu, il est moins beau, mais le jeu, il est complet, en fait. Il y a plus de choses. C'est... Tu peux te refaire un medikit. Attends, je vais le faire après. Ah oui, si, quand j'avais galéré. Ah, et puis en plus, moi, je suis baisé, j'ai plus d'arc. Sur un... Ouais, sur un. T'as combien de pour confection, enfin les cachetons là? Oh, presque. Ouais. Faut aller sur un à fond. Franchement, là, il y a pas mal de... Sinon, Star Wars, il est bien, hein, mais moi, quand j'y ai joué, j'étais époustouflé au début, mais après, je sais pas, mais j'avais arrêté. Pour moi, le bon jeu, on va dire, défouloir pour jouer en ligne, c'est Rainbow Six Siege. Pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà, c'est un bon jeu, style de jouer 5 contre 5, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup jouer avec le micro. Et moi, je joue jamais avec le micro, j'aime pas parler. J'aime pas parler avec des gens qu'on connaît pas. Moi, j'aime pas trop, en fait. J'aime pas me mettre dans ce délire-là. Ça fait que des fois, t'entends des gens parler ou des fois, ils se parlent entre eux dans le chat. Mais sinon, Rainbow Six Siege, franchement, c'est un bon jeu. Pure online, quoi, parce que si t'as pas de connexion, ça sert à rien d'y jouer. Parce que c'est un jeu qu'il faut jouer que en ligne. Parce que le seul truc que tu peux jouer en solo, c'est les tutos comment jouer au jeu, quoi. Tu joues contre l'ordinateur, et puis ça, c'est un peu con. Et sinon, Rainbow Six Siege, c'est vrai que c'est un bon jeu, mais comme tu parles, juste au cause 3, j'avais fait le 2, enfin, j'ai pas fait entier, mais. Voilà, j'aimais bien, mais pour moi, c'est pas un jeu exceptionnel. Après, c'est mon avis personnel. Après, si toi tu penses que ouais, c'est ton meilleur jeu, après, peut-être que toi derrière, tu penses qu'il est bien. Voilà, c'est chacun son truc. Mais sinon, juste Cause 3, j'ai pas dit qu'il était pourri. Hein. J'ai dit que voilà, pour moi, il faisait pas partie des bons jeux. Moi, Just Cause 3, franchement, j'ai vu que des vidéos pour l'instant, mais il a l'air d'être assez fun à jouer. Bah oui, c'est un jeu fun, parce que tu peux carrément attacher ton bonhomme. Là, tu l'attaches sur une bombe de gaz, puis la bombe de gaz, il vole avec le mec. Ouais, c'est un jeu style cascade. Toi, c'est un mec, c'est un cascadeur, il monte sur les toits de voitures, sur les hélicos, comme ça, attaché. Je me rappelle. Tu vois le truc. Syndicate. Syndicate, ouais. Oui, il était pas mal parce que je l'avais fini. Ouais, ouais, mais Syndicate, il était pas sorti en 2015. Assassin's Creed Syndicate, oui. Ah, ouais, non, moi je te parle de le jeu autre... Syndicate. Ouais, il y a un jeu qui s'appelle Syndicate. Ah, ouais, moi je pensais que tu parles Assassin's Creed Syndicate. C'est pour ça, Navao, essaie de. Non, ça de préciser bien. Parce qu'il y a Assassin's Creed Syndicate, mais il y a Syndicate aussi. C'est pour ça, tu vois, je me suis dit Assassin's Creed, ouais, il était bon. Mais Assassin's Creed Syndicate, je peux pas dire, je l'ai jamais fait. J'ai juste vu des villes jouer et j'ai vu que franchement ça va l'histoire. En plus, il y a un DLC qui mérite. Tu fais quoi? J'ai dit que je pouvais appuyer sur trailer. T'en fous, toi. Putain, j'aurais pas dû galoper, j'aurais pas tiré dessus. Il y a des mecs là, devant toi. Ah ouais, je les ai vus. Tu utilises jamais le sens? Oui, mais je les ai vus. Ouais, mais il faut que tu l'utilises jamais. Ah, c'est sympa, ouais. Voilà, donc ouais, j'avais bien raison.
Ouais, c'est bon, je l'ai vu. Malheureusement, j'ai pas pu aller trade. Enfin, j'ai pas pu. Attends, toi, t'as tiré comme un dingue, il t'a bon pour lui. Ouais, t'es sérieux. Mais t'es sérieux. Tu veux que je crevais à Charles. Bah, tu crois. Malheureusement, Assassin's Creed Syndicate, j'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin, parce que j'étais obligé de m'en séparer pour des raisons personnelles, quoi. Mais il faudrait que je le rachète et que je le finisse. Bah c'est surtout que là, le DLC, c'est carrément Jack l'Éventreur, quoi. Il m'a l'air d'être bien. J'ai vu déjà un gameplay. En fait, c'est ton assassin, il a agressé. En fait, il est poursuivi par Jack l'Éventreur. Ouais, c'est Jacob, il se fait choper, et puis c'est sa sœur qui doit le chercher. Ouais, puis on sait pas si Jacob, il est vivant. Bon, je pense que oui. Par contre, je sais plus, elle s'appelle comment sa sœur. Parce qu'en fait, il a dit. Parce que l'autre. Ah, Evie. C'est Evie Fry. Non, parce qu'il a. En fait, il avait dit à la gonzesse, il avait dit. Vous êtes peut-être le seul assassin de la ville. De l'Angleterre, plutôt. Le DLC est pas mal. Ah, le DLC, je l'ai pas fait. Bah, vu que j'ai plus de jeux. Non, le DLC, il a. Ouais, j'ai vu déjà. Il a l'air d'être. Oh merde! Là. Oh, je pensais pas qu'il sera rentré là, ce con. Si les balles, ils traversent carrément le mur. Ouais. Oh, tu m'étonnes, c'est un calibre 50. Ouais, je sais, dans Fallout, c'est ça, c'est assez puissant quand même, comme lieu. Comme caillou. Ouais. Ouais, tiens, par contre, il y a un jeu que j'aurais kiffé qu'il fasse, c'est un jeu Hajime no Ippo. Moi qui aime bien le manga, je me dis putain, dans un jeu ça devrait être le bourbier. Ouais, mais hé, tu vas rigoler. One Punch Man. Ouais. Il va être en jeu, je crois. Ouais, s'il est en jeu, je crois que je vais l'acheter, je vais me fendre la gueule. Un coup de poing, paf. Mais dis-toi, est-ce qu'il paraît déjà. Moi je l'aurais appelé One Shot Man. Tu vois déjà One Punch Man, le mec s'appelle Saitama, tu vois. Et à ce qui paraît, Saitama, ils veulent le mettre comme personnage DLC dans G-Star Victory. Et là, t'as vu, je te l'ai dit, encore des DLC, t'as vu, c'est. Moi je trouve ça chiant, quoi. Ils prennent vraiment les jours pour des cons. Pour moi les DLC c'est un piège à cons. Malgré que c'est bien, enfin, ils pondent des bons trucs, mais c'est un piège à cons. Parce que les gens ils vont l'acheter. Ils seront obligés de l'acheter, toi. Parce que les DLC sont arrivés depuis la 360 et la PS3. Bah après, tu vois, il y a certains DLC, je dis pas que c'est. Enfin, tu vois, ils valent le coup d'être achetés. Il y a certains DLC, moi je les ai fait sur certains jeux, franchement, j'ai pas regretté de les avoir achetés. Ouais, mais moi je trouve que les DLC c'est un piège à pigeon, toi. Tu vois, à l'époque que je jouais vraiment beaucoup à Destiny, tu vois, j'ai acheté le Season Pass et j'ai pas regretté d'avoir acheté le Season Pass. Tout va bien. Mais maintenant. Ah, c'est là qu'on va avoir les gosses. Ouais, maintenant, je me dis, tu vois, j'aurais mieux fait de pas acheter le Season Pass et d'attendre pour acheter vraiment le jeu complet qui vient de sortir là cette année. C'est quoi ça? Fils de. Ah, c'est quoi ça? Ah, il a cru que c'était. Oui, espèce de. Je voulais tout. Ah oui, j'ai bien la blague qu'il va dire. Laisse-le tranquille. Ça va, c'est pas des méchants. Baisse le flingue. Ah oui, bien vu, j'avais carrément zappé ça de maintenir rien pour t'en ramasser d'un coup. Ah merde, tu feras pas. Ouais, c'est parce que j'essaie de te tuer. Toi, c'est le truc, toi. C'est assez con. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes. Bon, non, c'est rien. Il s'est fait boire la gueule. Je m'appelle Henri. Ouais, c'est Henri et Sam. Je me présente. Je m'appelle Henri. Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous? Ils sont morts. Eh, hey, on n'en sait rien. Ah, franchement, il y a des jeux de mangas que je verrais bien. Il y a des mangas que je verrais bien adapter au jeu. Mais je me pose la question de savoir si ce serait bien. De quoi? Tu vois, style qu'ils adaptent Nanatsu no Taizai avec Hakamga Kill. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une plan. Par contre, là, le nouveau Yakuza 6, là, oh, il est mortel. Oh, j'ai vu un gameplay.
Oh, le coup de pied, tu vois la tête du mec. Moi, j'ai hâte, c'est au prochain Tekken. Franchement, j'aimerais bien qu'il fasse un nouveau Tekken. Par contre, Yakuza 6, qu'il fasse le prochain Tekken. Yakuza 6, j'aurais bien aimé qu'il soit traduit en français, putain. Mais il m'énerve, ces japonais à la con, là. Toujours en train de le. Je sais pas, ça leur coûte quoi de faire des sous-titres, merde. Ça leur coûte 2 euros. Putain, fou, c'est cher sous-titré. Oui, c'est cher si tu veux, mais c'est pas aussi cher que. Que de. Ah, c'est pas aussi cher que de produire le jeu, tu vois, c'est sûr. Non, non, c'est pas. Non, ça, c'est pas aussi cher que de traduire carrément en, les voix françaises, quand même. Ah oui, les sous-titres, c'est rien du tout, en vrai. C'est juste savoir parler l'anglais, enfin, parler le japonais, et puis parler le français, quoi. Le mec, il a juste à traduire les fiches, quoi. Au lieu de les mettre en anglais, il les met en français, ah, mais c'est en italien et tout. Et Yakuza, chez nous, il a. Ils ont jamais beaucoup trop marché, les Yakuza. En même temps, c'est normal, sur PS2, ils étaient pas, enfin, ils étaient pas encore ancrés dans la tête des joueurs. Et maintenant, tous les joueurs le veulent. Il marcherait. Et le 6. Oui, c'est sûr que marcher, le 6, ils nous les font, ils ont rendu succès. Moi, les autres, toi, j'aimais bien, sans plus. Mais le 6, oh, graphiquement et tout, waouh, putain, hey, le gameplay est un petit peu changé. Bah, comme je t'ai dit, là, ça fait. Ouais. Le mec, on croit un peu Tekken, il a une joue, je sais pas. Ouais, par contre, c'est vrai que j'ai hâte au prochain Tekken. Non, il est. Là, le prochain Yakuza, et j'aurais bien aimé, toi, le Yakuza 0 qui est qu'au Japon, c'est carrément à l'époque du samouraï, le Yakuza 0 en fait. Ah ouais, ça. Tu joues carrément un samouraï. Tu joues, je crois que tu joues le grand. Comme le grand-père du personnage normal. À bientôt, je vais me coucher. Ok, pas de soucis, bonne nuit Navao. J'ai encore trouvé une de ces BD. Ouais, bonne nuit Navao, puis à la prochaine. Je crois que le prochain stream qu'on fera, le prochain stream, c'est vendredi. Mercredi, c'est vendredi soir. Ouais, vendredi soir, à 9h30, on continuera The Last of Us, parce qu'on va pas le finir. On va pas le finir ce soir, il y a encore une bonne moitié derrière. Ouais, il y a encore pas mal de. Ouais, il y a encore pas mal de trucs à faire. Bah, vendredi à 9h30, si tu veux passer. T'es le bienvenu. Bah, tu passes quand tu veux, en tout cas. Attends, je vais juste me refaire, monsieur. Hein, fais comme, la chaîne fait comme chez toi. Et bonne nuit. Regarde les cachetons si t'as. Aussi. Ah bah c'est bon, tu peux le prendre. Voilà. Comme ça, après tu feras les vitesses de confection. Tu feras la vitesse d'abord de la vie, parce que c'est vrai que. Ah, je ferai vitesse de soin. Parce que t'as vu quand t'es en pleine attaque, au moins t'es. Je pense qu'on s'arrêtera au niveau. On essaiera de faire l'aventure entière avec eux. Avant de finir, on verra. Ça va, il n'y a que 1h18 de gameplay pour l'instant. Non, ça va, pour l'instant, on a encore le temps. Bah, je pense qu'on devrait faire la fin 2 avant de finir. Quoi, après, on va se séparer d'eux après. Avant d'aller au sniper, je crois qu'on est dans les égouts. Après, on fait le sniper. Ouais, je crois. Ah ouais. Ça fait, ça va être un peu. En plus, ici, ça devait être moi, je crois, en plus. Là, non. Un petit peu. Oui, un tout petit peu, je crois. Ce frère, toi, t'avais joué jusqu'aux égouts avec eux. Et après les égouts, c'était à moi. J'ai pas de flèche d'arc, putain. C'est bon, on peut pas déconfectionner. C'est ça qui est mal fait. C'est bon, on peut pas faire des flèches nous-mêmes. Oh, attends, une bien sûr, je vais faire. Il a pas la bouteille dans la gueule, le con. Toi, ici, ils sont tous les trois. Ouais, ils sont pas tous les trois. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Mais poussez-vous, putain! Bref, toi. Oh, j'ai mis un headshot. Non, tu l'as pas tué. Non, mais j'ai pété son casque. Oh, là, en plein dans le front. Ouais. Ouais, j'appelle ça du bon headshot.
Oh, j'ai cru que c'était un mec. Et il est archi con, il serait pas passé dedans. Lui, il serait mort. Il est pas mort. T'es sûr? Oh, vas-y, c'est quoi l'arnaque? Pourtant, il va prendre la tête. Non, mais il faut que ça fasse. Faut que ça fasse un soleil. Tiens, là-bas, il y a des trucs. Ouais, je sais, mais s'il voudrait bien se pousser pour que je puisse rentrer. Faut que ça fasse un soleil pour que tu fasses cette chute. Ouais, ouais, t'as raison. Si ça fait pas un soleil, bah, c'est marrant. C'est-à-dire que tu l'as juste une balle normale. C'est vrai que dans la réalité, une balle n'importe où dans la tête... Ouais, il est mort. Qu'est-ce que j'ai hâte à Tekken, putain. J'en ai marre, j'ai envie d'y jouer. Par contre, Yakuza... Moi, Yakuza 6, j'aurais bien aimé l'avoir, celui-là. Mais il va être en import au Japon, mais surtout, moi, je veux au moins les sous-titres français, quoi. Non, en vrai, ça leur coûte que... Pour moi, ça leur coûte que dalle. Parce que c'est Sega. Sega, c'est des radins. Parce que déjà, pour faire Shenmue, qui finance Shenmue? Bah, des gens comme toi et moi, des pigeons. Bah oui, c'est aux joueurs qui financent le jeu, quoi. C'est à eux de le faire, normalement. Et c'est à nous de l'acheter 70 balles. Pour moi, c'est des conneries. Toi, comme... Non, non, ça sert à rien, ce que tu fais. Non, mais c'est pas un cocktail, hein. Ah. C'est une fumigène. Vas-y. Il est dans toi. Ah, il faut que tu l'aies pas, mais il est un beau, ça. Épargne-moi, s'il te plaît. Non, en fait, comme je t'ai dit, c'est des gens comme toi et moi qui financent un jeu qui devrait être financé par eux-mêmes, en fait. Ouais, toi, c'est... Non, moi, je trouve que c'est pigeon, ça, de faire ça. Mmh. Parce que ils disent quoi? Ils disent, oui, mais t'auras un exemplaire. C'est pas vrai. Ils disent, ouais, tu pourras le télécharger gratuit. Pour moi, c'est des conneries. Tu crois que c'est parce que tu mets 5€ que tu vas l'avoir gratos, toi? Le jeu va coûter 70 balles. C'est-à-dire que tout le monde... Bah, franchement, tout le monde va le financer, il va mettre tous 1€, puis c'est bon. Bah oui. Ils l'ont acheté 1€, le jeu. Ah non, rêve pas, il y en a qui... Tu te rappelles de ça? Quand on faisait un stream, je crois. Il y a un mec qui disait, ouais, mais c'est financé. Mais non, bah non. Moi, toi, je disais rien, mais... pour moi, non. C'est pas parce que t'as mis 1€ que t'as un exemplaire gratos. Hein. Tu vas aller te faire mettre. Hein, non, c'était pas avec moi que ça avait fait ça. C'était pourquoi? Ça devait être avec Ozo, je pense. Non, je crois que c'était avec toi. T'es sûr? J'ai pas souvenir qu'on a eu un débat comme ça dans un stream. Oui. Oui, on faisait... Ah, ça doit être dans nos premiers streams alors, dans ces cas-là. Ça doit être quand on a fait un stream sur Révélation 2. Oh, je me rappelle plus. Oh, c'est pas très grave. J'ai eu un débat comme ça. Fait, ouais, mais t'as un exemplaire gratuit. Toi, je disais rien, mais non. Crois-moi, t'auras pas d'exemplaire gratuit. Comme si que ces gars, ils te donneraient un jeu que toi, t'as refoulé qu'un euro. Le mec, imagine qu'il a mis 500€, il faudra qu'il rajoute le jeu derrière. On en a toute une réserve. Puis en plus, c'est une honte, Sony, il l'a même pas financé. Le jeu, il sera carrément donné par des gens qui sont purs Microsoft, toi. Pourquoi ils le mettent pas sur 360? C'est des gens comme toi et moi qui donnent des dons pour qu'ils fassent le jeu. C'est n'importe quoi. Bah oui. Imagine un jour, c'est comme ça. Tous les jeux, il faudrait que tu les finances toi-même. Puis après, tu rachètes le jeu 70 balles. Code 9 sur PlayStation, nouvelle French exclusive arrivée sur PS4 en 2016. Les nouveaux jeux de bande annonce annoncés et bien plus. Ouais, bon, on s'en fout. Non, je te jure que, ouais, moi ce qui m'énerve, c'est qu'on critique tout le temps Xbox, mais Sony, ils sont pas mieux. Je le dis. Là, ils auront pu financer eux-mêmes. Tant Kickstarter. Quoi. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Bah, j'ai juste l'impression Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont, et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi?
Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les déchets. C'est moi, là.
Arrache, mais tu l'as eu quand même. On peut même pas faire confiance. Culé, il est censé me protéger, il me protège pas. Espèce de connard. Oh, toi, je couvre tes arrières, ouais, mon cul, tu couvres tout le dalle. Oh, tu l'as eu bien joué. Merci. Ah, là, franchement, j'aurais pas cru. Ouais, t'as mis de la vie, c'est bon. Là. Oh là, en pleine gueule. Oh là, là, t'as vu. Tête, elle a pété net. Là, t'as vu, là, ça t'a fait, le soleil, là. Ça t'a fait le soleil. Ouais. Attends, là, t'es même... Putain, mais baisse-toi, vas-y, casse-toi, t'es même pas foutu d'ici. Tu sais ce qui me fait rigoler quand je parle du soleil, ça me fait penser aux télé de Guise avec le bébé là. Ah, ça remonte ça, les télé de Guise. Tu rigoles, mais quand en fait, toi les télé de Guise, toi le bébé là, bah il a grandi le bébé. J'ai vu sur un journal de ça. En fait, je crois que c'est une fille en fait. Le bébé c'était une fille. Là maintenant elle a au moins 10-15 ans, un truc comme ça. Oh putain. Oh là là. Avec Devil c'est un peu la bad company. Ah ouais, c'est la 7ème compagnie, j'ai glissé chef. Non, je m'en rappelais plus qu'il fallait plus. Enfin qu'il fallait juste glisser pour charger. Non, c'est pour ça dans les télézombies ils ont fait une info. Alors maintenant elle a grandi. Que sont devenus les télétobés? Ouais voilà. Qu'est-ce qu'elle est devenue, celle qui a fait le soleil là. Même attends, c'est un autre truc aussi. Oui, celui-là qui faisait le soir à Kinder, là, le truc Kinder, le gosse, il a grandi, je l'ai vu. Ah non, oui, c'est un Kinder Surprise. Oui. Enfin, pas les Kinder Surprise, mais les Kinder. Normal. Même tu vois la tête les Kinder du... Maxi. Ouais. Il a grandi. C'est un mannequin maintenant. C'est devenu un mannequin. Ah ouais, je savais pas ça. Par contre, sa tête, ouais, elle a un peu changé. Mais on reconnaît que c'est lui en fait. Ouais, ça fait un bizarre. Quand tu les connais petits, puis après tu les vois, hein? Il a une vingtaine d'années. Ouais, il a à peu près notre âge, quoi. Bon, ouais. S'il a 20 ans. Bah, et Kinder Maxi, c'est quand même vieux, hein. Ouais, oui, ami. Ouais. Ah, mais ils vont faire quoi? Ah, mais à mon avis, ils vont peut-être le changer après, le gosse. Hein. Ouais. Je pense qu'ils vont mettre une autre personne. Putain, j'arrive pas de poser la manette là, ça me bute dans le vent. Ils vont mettre une gonzesse. Non, là j'ai vu, il faisait. Sur internet, à la télé, t'as pas vu qu'il faisait la pub pour le nouveau visage des Kinder? Non, j'ai pas vu ça, les Kinder. En plus, Kinder, ça veut dire enfant en allemand. Kinder, c'est enfant, c'est un peu allemand. Merde, ah oui, faut que j'appuie plusieurs fois. On va manger des Kinder. C'est vrai que tu penses aux années 30, tu manges des Kinder. T'es fou, moi je kiffe ça les Kinder, je crois. Bah, ça archi bon. Moi, mais par contre là les Allemands ils ont géré. Hein. Mes préférés c'est les Kinder Bueno. Non, franchement les Allemands ils ont géré. Hein. Franchement ils ont fait du bon chocolat. Ah franchement, pour moi les meilleurs Kinder c'est les Kinder Bueno. Puis la bonne bière allemande. De la bière allemande? Ouais, elles sont bonnes leurs bières allemandes aussi. Ça a toujours été bien vu. Hein. Ah, par contre, il y a une bière que tu me feras pas boire. Ça, je te le dis. Laser Elder Scrollen. Non, la bière Jimmy. Ah oui, ce qui paraît, tu m'as dit, c'était de la merde. Ah, elle est dégueulasse. Est-ce qu'elle est bonne la Duff là? La Duff? Ouais. Franchement, ça passe. Ça, franchement, elle passe comme bien. Elle est pas exceptionnelle, mais elle passe. Bon, on va arrêter de parler de marque parce que là, ça sera un peu copyright. On va parler de Benoze. La marque David Benji. Wesh, il est con le Lascar ou quoi? Aïe. Et moi, j'ai hâte, c'est The Walking Dead, le 14 février. Là, le jour de la fête des amoureux, tu arrives à The Walking Dead. Bah franchement, c'est pas vraiment glamour, hein. Regardez ça, quoi. En plus, tu sais, ça tombe à où, là, en plus? Bah, désolé pour un peu spoiler. Ça tombe carrément, ils recommencent, en fait. Ils se mettent des boyaux un peu partout, puis ils vont sortir comme si c'était des zombies. Oh, putain, c'est des gosses. Oui, bah oui, carrément, aux gosses et tout, hein. Ils l'ont mis, ah, oh, c'est dégueu, bah, tu m'étonnes. Mais après, ils font, ouais, faites style, il faut vous marcher comme des zombies. Ouais, l'ancienne, comme ouais, la saison... La saison 1? Ouais, saison 1. Avec Glenn et tout. Ouais. Et fait un peu de trip. Oh, ça m'a fait mal. En plus, là, le gosse, il est fou. Pour moi, il fait maman. Tu vois plein de zombies qui passent. Oh putain, je crois qu'il va se faire bouffer. Parce qu'en fait,
Toi, c'est la ville d'Alexandria, pour ceux qui connaissent le livre ou bah, la série. En fait, elle a été envahie par les zombies, parce que la barrière, elle était pétée et tout, puis tout le monde est passé. Toi, il y a eu des problèmes et tout. Ouais. Puis en fait, tous les zombies sont rentrés. Puis Rick, il s'est dit, bah tiens, on va refaire comme à l'ancienne. On va refaire, hop, on va se mettre des tripes un peu partout, ouais, moi, puis on va se poser en zombie. Là, tu cours. Là. Ouais. Cours, poufias. Non, c'est pour ça que... On voit les morts. C'est pour ça que c'est pas réaliste. Bah, il a pris une balle de calibre 50, normalement il doit être claqué. À moins qu'il ait glissé sur une peau de banane. Combien de balles il reste? Ils vont nous tuer! Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde! Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! C'est plutôt qu'il a peur de sauter. Il a vu que lui a pu le faire. Lui. Ah, ça va faire rigoler. Ah oui, si, ça, ça sent l'embrouille. Joël, on est vivant. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a... T'es sérieux, espèce d'enculé? Hé, ça va, qu'est-ce qui te prend? Recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non. Vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Non. Je t'ai sauvé. Moi, perso, non, je serais pas revenu. Je me serais barré, moi, t'es fou, m'a servi avant tout, démerde-toi. Bah, c'est ce qu'il a fait. Crash out. Bah, c'est ce qu'il a fait, il a pensé à sa gueule avant. Tu vois, si c'est quelqu'un que je connais depuis, style, on va dire, une heure ou deux, vas-y, tant pis, nique sa mère. Ma priorité, enfin, ma vie avant la tienne. Par contre, si c'est un pote que je connais depuis longtemps, depuis des années, ou si c'est toi, vas-y, je viens avec toi. On saute, on descend, on leur pète tous la gueule. Ouais, en fait, le mec, il a mal réagi, il aurait dû descendre avec lui, tu vois, il a dit, bah non, on court tous. Ah, mais tu vois, d'un côté, je le comprends, il connaît pas, il a un gosse avec lui. Ouais. Ça aurait été moi, perso, j'aurais eu un gosse aussi. J'aurais pris la même décision. Après, c'est surtout qu'en fait, la décision, elle était trop rapide, en fait. Tu pouvais pas aller plus loin parce que tu voyais l'autre avec son camter. Tiens, ça aurait été moi, j'aurais pris la même décision. J'aurais dit, ouais, bah ouais, mais regarde la petite. Regarde Ellie. Elle a quand même risqué sa vie, puis pourtant, ouais, mais Ellie, c'est une morpionne. Ouais, mais Ellie, elle a plus confiance en Joël. Ouais, mais même, voilà. Elle aurait pu sauver sa peau quand même. Oui, aussi. Parce que là tu te dis, ouais, putain, vas-y, c'est bon, il m'a sauvé. On se rejoint plus tard. Ah, je suis fier. Là, je suis fier d'Ellie. Elle a montré qu'elle avait une sacrée paire de balls. Ah oui, hein. C'est normalement, elle a une foufou, mais là, on a l'impression qu'elle a une paire de couilles. Elle a une sacrée paire de couilles. Ah oui. Putain, j'arrive plus à dormir en ce moment, c'est un truc de ouf. Bah moi je dors trop tard. J'ai trouvé une autre PD que t'as l'habitude, quoi. J'avais entendu dire que t'as le bande dessinée que tu vois. Ouais. Que en fait Naughty Dog il vaut. C'est peut-être un historique pour faire un jeu comme ça. Sérieux? Ouais. Là pour l'instant il n'y a pas de. Pour l'instant. The Last of Us 2, j'en ai pas entendu parler pour un développement. Putain, j'ai hâte qu'il en fasse un deuxième. Dis-toi, t'as vu, hier je jouais à Blade & Soul avec GG. Ouais. Oh le. On joue, je regarde l'heure, je dis, ouais, il serait peut-être temps qu'on aille se coucher. Il me dit, par quoi il est quelle heure? Je dis, bah, il est un peu 3h moins de quart, quoi.
Je te jure, on n'a pas fait gaffe à l'heure. On était tellement barré dans le jeu qu'on n'a pas fait attention. Bah en fait, c'est bah ce que tu fais là, bah c'est ce que je ressens. Bah c'est voilà, voilà pourquoi moi je dors tard quand je vois Fallout. Je vois pas le temps passer. C'est long. J'ai vu 3 heures moins de care. J'ai dit ouais, le temps que je descende fumer une clope, le temps que je me fasse un casse d'œil, le temps que j'aille pisser, le temps que je remonte, il était 3h30. Après pour celui je peux te dire oui. Parce que j'y repense à 3h ouais 3h du matin je me faisais un casse d'œil. Putain je veux vraiment que ça va faire. Ouais tu sais, t'inquiète pas, je suis comme toi aussi. Quand j'ai faim, je mange. En plus toi j'ai fait un casse d'œil blader. Ouais. Un bout de pain avec de la mayo dedans. Et du ketchup. J'ai même pas mis de jambon, j'ai rien. J'ai juste mis du ketchup et bah je pense que là le sniper on va être très bientôt là après ça. Après le sniper, ouais. Bah après ça on se ressent pas. Là il passe, tu l'as fait avec gros putain, connard. Je pense qu'à mon avis, ouais, ce sera un peu. Ouais, ce sera un peu long quand même. Non, je pense pas. Ah ouais, rappelle-toi, vers la fin de là, de le niveau là. Oublie pas, il y en a un fini. Toi, pour moi, il faut que t'attendes qu'ils ouvrent la porte. Et dès qu'ils ouvrent la porte, faut que tu te barres. Rappelle-toi pendant un moment. Je oui, plus. Oui, c'est bon, je me rappelle. Je l'avais fait. C'était moi qui l'avais fait. Je me rappelle. Tu sais pourquoi? Parce que, rappelle-toi, j'en ai tué à chaque fois. C'est quand je me suis retourné. Ah, c'est bon, je peux me barrer. Non, c'est moi qui l'a fait ici. T'es sûr? On serait certain. Non, parce que ici, ça me rappelle vaguement quelque chose hein, que je l'avais fait. Parce que je m'étais dit là-dedans. Non, rappelle-toi, c'est moi qui l'a fait. Puisque quand on était arrivé, quand je me retrouve tout seul avec le gamin, j'avais utilisé archi plein de balles pour tuer tout le monde. Pour tuer tous les cliquers et tout. Dépêche-toi. Sinon, boum. Putain, ouais. Ils sont galants, les femmes. Oui, plus que les bonhommes. On est des charognes. On est des fous du slip. Vas-y, lis ça. Vas-y, Julien. Alors, je m'absente quelques mois et le monde part en couille. Il y a des infectés partout et des non-infectés qui essaient de nous descendre. L'humanité est de retour à l'état sauvage. Mais mec, je m'étonne d'avoir survécu aussi longtemps. Ces égouts ont l'air d'être sur entrée et sortie limitée, donc plus facile à défendre. Et si quelqu'un approche, je peux le perdre dans le dédale de couloir. Je ne suis peut-être pas balèze, mais je suis rapide. Je vais simplement rester ici le temps que ça se descende là-haut. Devenir un homme top, c'est des égouts pendant quelques temps. Souhaite-moi bonne chance. Fiche. Bah c'est bien de lire ça parce qu'en fait c'est une petite histoire on va dire d'une personne qui a vécu ici. C'est Ish, on m'appelle Ish. Bon ça on va les lire ces machins là. Ish ou la biche, crotte des caniches. Chacun sa brioche. Ouais. Moi je me rappelle de ça, biche ou ma biche, quand on était gamin. Peach. Peach. Biche ou ma biche. Moi ce que j'aime bien aussi comme brioche, c'est... Merde, comment ça s'appelle ça? Ah putain, les brioches bretonnes là, comment ça s'appelle? Oh je sais plus. C'est pas les brioches au sucre frotte là. Ah je sais plus. Ça m'énerve. C'est coincé. T'es dans l'eau. Ouais. Ouais, putain, vous savez pas nager, putain, y'a personne qui sait nager dans ce putain de bled. Oh, ça qui est bloqué. Je sais même pas pourquoi j'ai appuyé, ça se tombe, j'ai même plus besoin. Et voilà, maintenant tu peux aller en haut et tourner la valve. Il pouvait pas le faire. Il faut pas. Ah, mais lui, il sait pas nager non plus. Ils savent pas nager, les trois lascars. Là. C'est bon. Ah oui, je me rappelle ici. Mais ta lumière. Ouais, non, rappelle-toi, là ils font voir qu'il y a personne pour l'instant, mais rien de bien. Ah mais si, il y a pas de mec, hein. C'est que des monstres ici. Ouais, je sais, mais rien de bien. Tu vas voir.
Je sais pas si tu te rappelles, celui-ci, c'est, je me rappelle, c'est moi qui l'avais fait, ça. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, la planche, faut que tu ramènes. Ouais, la Marianne Burton. Ah oui, oui, t'as un monstre ici. Il va se prendre une chevrotine. Attends, est-ce qu'il est chargé aussi? Ah oui, là, la porte. Ouais. Oh merde. Vas-y, il faut tester. S'il est puissant. Les chant. Bien, il a son pote. Il est puissant. En plus, t'as vu, je m'étais coincé là. En plus, tu t'es viandé un petit peu quand t'as visé. Ouais, j'ai pas visé vraiment la tête, j'ai visé un peu à côté. Par contre, mets ta lumière, on voit que là. Moi, j'aime bien rien y voir. Non, c'est pour le stream, quoi. Histoire de bien voir. Sais. Parce que surtout que la rediffusion, on va mal voir. Vas-y. Je vais lire ça. Alors, hier, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas cherché à me descendre à vue. Étonnant, hein, on a échangé quelques provisions et fait connaissance. Il avait des enfants et semblait terrorisé. J'ai failli leur parler de cet endroit. Ils étaient comme les autres. Et si... Oh, et puis merde, à quoi bon survivre si personne ne rit à vos mauvaises blagues? Demain, j'irai les trouver et je leur proposerai de se joindre à moi. Ish. À tout le monde, personne. Ouais, c'est les égouts de Ish en fait. C'était sa planque, on va dire. Ah oui, t'as le lance-flamme dans le jeu, je crois. Oui, mais pas tout de suite. Ah ouais, par contre, ça c'est un peu con. Ils ont pu mettre ça à la vers là, quoi. Ils mettent vers la fin le lance-flamme. Ça c'est après, non, tu vas, ou tout de suite. Non, je crois qu'il y a un truc à récupérer, mais je suis pas sûr. Ah oui, il y a ça, puis je crois qu'il y a un truc de plante pour avoir des cachetons. Non, moi j'y arrivais. Tu peux customiser là un truc là? Non, j'en ai que 20, il m'en faut 25 au minimum. Oh, mais prends là la planche. On prend une tortue qui nage. De toute façon, elle sera à nager. Moi, je pense qu'on va jouer Ellie, hein, dans le deuxième. Parce qu'on a vu une photo avec elle, avec la guitare. Ça fait dans le deuxième, on va jouer. Allez, monte. Non, faut que t'ailles de l'autre côté. Excusez-moi. Je sors dans la bouche. C'est le cas sous l'air. Il est trop scam. Vas-y, j'ai le temps. Enculé. Oui, c'est bon. La première fois, tu l'as fait, tu t'es démerdé. T'étais dans le flou. La première fois, j'ai monté comme un blédard. Et grouillez-vous le cul. C'est bon, c'est terminé. Moi, j'ai carrément couru sur la machine. Par contre, ça va se corser un tout petit peu après. Ah ouais, pour l'instant ça va. C'est quand tu vas te défendre, ça va se corser. Là. C'est une sorte d'alarme, j'entends rien moi. Bah, je crois qu'il vivait en fait. Ouais, c'est. Voilà. Voilà. Le canon chier. Ça va chier. Non, c'est un mini-fusil à pompe parce que le canon scié c'est deux tubes. Ah, t'as raison. Ça c'est le shorty. Shorty. Ah oui, il y a le shorty, ouais, on s'en fout pour l'instant, on va améliorer plus les fusils du début. Le shorty, je sais pas si tu te rappelles. Enfin shorty, je sais pas si tu te rappelles c'est qui. Un mec dans merde, je sais plus si c'est dans ce. Oui, je crois que c'est dans Scary Movie. Oh, je m'en rappelle plus.
Parce qu'arrive au vie, ça date. Là, tu peux faire des cocktails ou grand truc, non? Non, je suis plein partout. Peut-être juste me faire un. Ouais, je vais juste améliorer mon pilier de biche. Bah, tu peux prendre le truc, non? Si t'as mis à ton mec. Ah, désolé si je te gêne, vas-y, tiens. Ah non. Oui, amigo, ça a tiré dans le but, putain. On sait ce qu'il joue. Oh, j'ai vu une vidéo hier. J'ai rigolé. Oh, bah, c'est bon, tu peux. Une gonzesse, ah ouais. Une gonzesse qui parlait des soi-disant gamers et gameuses. Ouais. Elle dit tu peux te considérer gamer si ça fait plus de 4 mois que tu joues à la console. C'était sérieuse. Ouais, non, un gamer c'est un mec qui joue tout le temps. C'est une personne qui joue sans arrêt. Tu vois, mais même une gameuse, tu vois, apparemment un gamer et une gameuse c'est quelqu'un qui joue souvent. Enfin. Qui joue pratiquement souvent. Qui joue quasiment tout le temps à la console. Faut au moins que dans la journée t'aies au moins touché quoi. Pousse-toi, mais poussez-vous, bordel de merde. Moi je me considère comme gamer quand je suis barré dans un jeu. Facile, enfin, si, je peux y jouer tous les jours. Parce que je vais faire. Oh, je l'ai défoncé avec ça. J'ai utilisé les balles de fond. Ouais, t'as vu, Gam? Ah, c'est. Tu veux leur boyau. Ah, tu leur as dégommé les. Enfin, je leur ai dégommé les boyaux. Ah, ouais, d'accord. Ça, sur les clickers, ça, j'ai même pas besoin de mettre une balle dans la tête en fait. Même si je leur tire dans le buffet, je les démonte. Et... Par contre, j'aurais bien aimé que quand tu finis le jeu, t'as déjà tous les armes. Au début, parce que tu sais pourquoi. Parce que quand tu les améliores, tu les as pas tout de suite, quoi, ça sert à rien. Ouais. Ah, c'est vrai que moi aussi j'aurais bien voulu qu'on ait toutes nos armes dès le début. Parce que tu t'es quand même fait chier à les avoir, quoi. Alors, salut Suzanne. Je voulais simplement te dire que ces récupérateurs de pluie étaient une super idée. Pour pouvoir avoir de l'eau sans avoir à se déplacer, c'est génial. J'espère que ça ne t'embêtera pas. J'ai donné aux enfants des pistolets à eau. Si ça ne te plaît pas, dis-le moi et je les reprendrai. On se voit ce soir au dîner. Attention, Kyle nous refait son pain de viande spécial. Ish. Voilà, là c'est toujours Ish. Il nous fait du pain à la bidoche. Voilà, là c'est un des survivants qui était ici. Ouais. Ouais, par contre. Merde, putain, j'ai le gosse qui me brûle. Ah, c'est chiant ça. C'est chiant d'avoir la crève. Ouais. Ah, puis vu que le micro est archi sensible, si je tousse comme un taré, je vais défoncer les tympans à tout le monde. Ah, désolé, j'ai pas le choix. Ouais, tousse quand même, hein. Si t'as pas le choix, on se tousse. Ouais, si je tousse pas, je vais m'étouffer. Surtout ça va te gratter la gorge. Depuis tard ça faisait. Je dis faut que je tousse sinon je vais m'étouffer. Oh. La machette. Et puis en plus c'est les chocs la machette. Ouais mais ça fait 3 coups, Yann, j'ai mon pied de. Enfin, j'ai... Ouais mais ton pied de biche, il faut mettre plus de coups que là c'est les chocs. Ouais mais je les custom. Ouais. Ah tu vois c'est pour. Ouais, vas-y, je vais prendre quand même. Prendre la machette. Par contre, c'est con que tu peux pas prendre plus de matériel. Ouais. Ah, c'est dommage que tu vois, je peux pas prendre ça plus ma machette. Enfin, plus mon tuyau. En fait, la machette, ça fait que des headshots sur les clickers. Ça fait que c'est quand même vachement utile. Quoi. Ah, je kiffe les machettes en plus. Machette. On m'appelle Machette. C'est un film de barge. Ah, ouais, c'est vrai, Machette, ouais, c'est un film de ouf. Hein. Oh. Déjà quand tu vois le personnage, il a une tête de ouf. Ah je sais plus comment il s'appelle l'acteur de Machete. Ça va.
y a un acteur que j'aime bien aussi, c'est Mickey Rourke. Ouais, lui, il a la charge esthétique, ça de la meule. Ça y a pas réussi. Ça l'a plutôt détruit qu'autre chose. Tu sais pourquoi il a fait de la charge esthétique en fait? C'est à cause de la boxe. C'est un boxeur professionnel. Ça l'a, en fait, la boxe, ça l'a déjà, niveau visage, ça l'a détruit. Ils ont une vingtaine de cliqueurs au cul. En fait, la boxe, ça l'a détruit un peu le visage. Ça fait qu'il voulait faire de la charge esthétique. Parce que ouais, c'est vrai qu'il avait pointé des... Il avait pas une gueule de part de bonheur. Ouais, voilà. Et là, c'est encore pire, là. On croit Igor et Grishke. Igor et Grishke. En fait, eux, ils ont fait ça juste pour ressembler à des extraterrestres. C'est vrai qu'il faut être cinglé, quand même. De toute façon, je peux pas les juger. Je comprends pas, en fait. Ouais, t'es comme moi, tu peux pas... Je cherche pas à comprendre, quoi. S'ils veulent être comme ça, c'est leur tour. C'est pareil, moi, je cherche pas à me faire chier avec leurs conneries. Ils ont voulu se faire une gueule de... Une gueule d'extraterrestre, ils se démerdent. Surtout que, voilà, surtout que, toi, sans être gay, ils étaient pas mal, hein. Enfin, ni physique, ils étaient pas moches, quoi. Et là, franchement, ils se sont... Ah oui. Il y en a, ils aimeraient avoir des, toi, des, une gueule bien, quoi, normale. Ouais, ils avaient des gueules normales. Que là, maintenant, depuis qu'ils ont fait leur charge esthétique, là, oh la vache. C'est quoi le mégot, là, en face de moi? C'est un cliqueur ou un runner? C'est un runner. T'es sûr que c'est un runner? Oui, bah oui, il marche comme ça. Ça marche comme ça, hein, un runner. T'as vu? T'as vu? Ouais, pas de chute. Ah, c'est un runner. Runner? Et puis, tiens. Donc, ouais. Oui, ils sont deux. T'en tues un. Quoi? Toi, t'as le sirin. S'il touche, hein. C'est l'un qui touche de haut. Ouais, bien joué. Merci. Non, c'est pour ça, t'as vu. Oh, la bonne blague. Ça va, non. Casse-toi, tu peux. Mais. En même temps, si tu la regardes. Je sais pas rien, elle est tellement belle. Ah, puis les meufs qui font des charges esthétiques, tout ça. Avant, ils étaient bien, puis maintenant, les... wow, la gueule que ça fait. C'est les frontmen. C'est babar. Wall aussi l'a fait voler. C'est babar. Ils sont cons, les mégots, quoi. Ah, ça y est, vas-y. Très charmant. Lui, il était presque en phase. Lui, il avait pas su devenir un cliqueur. Comme si tu pouvais choper un coup de poing. Attends, tu connais pas Joël au couteau? Ouais, mais normalement, en vrai, des personnages en fait. Oh merde! En plus, dans Witcher 3, t'as carrément les démons de minuit. Non, il y a les spectres. Il y a les spectres de minuit et des spectres de midi. Si les midi, t'as un spectre qui arrive de te faire chier. Si t'es vraiment au bon endroit. Ouais. Ils sont chiants à tuer, les spectres. Parce qu'il faut faire une magie pour les contrer. Putain, mais... Et on me lâche la grappe. Oh, j'ai fait Okuto no Kin. Là, hier, j'ai regardé un film. Mais tiens, ça fait longtemps. Quel genre de film? Un film. Ouais. Putain, mais pourquoi il frappe pas ce PD de Joey? Frappe connard. Ouais, frappe Charlie. Bon bah, mon rêverie, je vais le mettre sur Uper. Hein. Ah oui. Quoi, il prend la You. Il a recommencé. Non, bah non, je l'ai cassé. Lui. On va te couper les noirs. Ouais, y'a plus de couilles. Ah, t'es fou, moi, d'un côté, je me dis... Tu vois, en tant que mâle,
Ouais, je sais. Je pourrais pas faire ça à mes animaux. J'aurais l'impression que c'est à moi que tu me coupes la couille. Ouais, mais j'ai pas le choix. Ouais, c'est sûr. Sinon, c'est soit ça, ou soit je le sépare pendant mon 6 mois. Ouais. Puis je peux te dire, il va coller pour. Ah oui, c'est soit ça, j'ai pas le choix. Ah ouais, d'un côté, ouais, si c'est pour ça. C'est soit je castre les femelles et ils peuvent risquer d'avoir le cancer, ou soit je castre les mâles et eux, le cancer, c'est vraiment. Ils auront moins la chance de l'avoir, en fait. Pour ça, je préfère castrer les mâles. Parce que eux, ils l'auront pas. Parce qu'ils ont dit que les femelles, c'est plus risqué vu que c'est difficile à faire, en fait. C'est plus difficile à enlever que les mâles. C'est pour ça que c'est plus cher. Et les femelles, c'est en moins de 200 euros. Les mâles, tu prends un ciseau, schlac, c'est bon, on n'en parle plus. Puis même, c'est aussi cher si tu veux. Mais une femelle, c'est au moins 200 euros au veto. Pour enlever ça vous... Ouais, c'est cher quand même. Bah oui, parce que c'est plus difficile à faire. Ouais. Temps de confection ou vitesse de soin. Vitesse de soin, ouais, tu peux pas. Pas encore, il me manque 5. Ah oui, t'as 20. Ouais, c'est des chiottes de chantier. Ah, mais là, c'est pas des chiottes turques, je crois. J'ai l'impression que. Non, c'est. Attends, je vais retourner vérifier, mais je crois que c'est des chiottes normales. Ouais, chiottes turques, laisse tomber. Dès le matin, quand t'as envie de chier, puis tu te mets une position debout, je peux dire que t'as la. C'est pour ça que j'aime pas les chiottes de chantier. Non, c'est des chiottes normales. Mais t'as vu l'état des chiottes, elles sont dégueulasses. Si tu veux, les chiottes turques, c'est bien, c'est plus hygiénique. Oui, c'est sûr que c'est plus hygiénique. Mais après, dès le matin, quand t'as envie de chier, putain, t'as envie de chier chez toi. Non, mais moi, tu sais, ça, j'aime pas sur les chantiers. Franchement, tu vois, c'est pas pour être méchant. Mais j'ai gratté sur un des chantiers, les mecs, c'était des coches. Quand je te dis des coches, tu vois, c'était vraiment des crados. T'as l'impression qu'ils n'en font exprès, quoi. Wesh, au point de réussir à chier sur le mur. Faut qu'il m'explique comment il a fait. Faut qu'il m'explique comment il a fait de l'ascar, hein, celui-là, franchement. Chier sur les murs. Non, c'est fait exprès pour te faire chier. Non, mais tu vois, le pire, c'est la dame de ménage, bah nettoyez pas. Ça fait, j'ai dit, tu vois, moi j'étais pissé. Puis elle m'a dit, ouais, je croyais pas que je vais nettoyer ça. J'ai dit, nettoyer quoi? Je dis, j'en sais rien. Le protecteur. Daniel Hitch. Là, t'as me dit, bah vous croyez que je vais nettoyer la merde qui est là? J'ai dit, mais quelle merde? Elle me dit, bah ouvre la porte des toilettes. Ouais, j'ai ouvert la porte des chiottes. Je dis, putain, je dis, c'est passé quoi là? Je dis, il y a eu la troisième guerre mondiale dans le chiotte ou quoi? Autre, la dame, elle m'a dit, ouais, croyez pas que je vais nettoyer. Je dis, bah non, je dis, vous avez raison. Je dis, c'est les lascars qui ont fait ça qui doivent nettoyer. Mais attends, c'est n'importe quoi de voir ça. Et les mecs, ils ont plus aucun respect. Mmh. Pour moi, c'est trop fait exprès. Arrête. Voilà. Comment t'arrives à chier au mur? Pas possible. Non, mais de toute façon, tu vois, j'ai gratté sur plusieurs chantiers. Et franchement, en travaillant sur des chantiers, il y a pas mal de chantiers que j'ai vu que il y a des mecs, c'était des belles ordures quand même. Ouais, pour moi, c'est quand même fait exprès. Dis-toi, tu vois, j'ai laissé mon sac. Dans mon casier. Et tu sais ce qui m'est arrivé? Ils ont carrément coupé. Non, non. Le midi, je suis venu pour manger. J'ouvre mon casier. Plus de gamelle. Plus de gamelle. On m'avait baisé ma gamelle. Oh les bâtards. Putain, mais. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus de confiance. Je m'étais fait baiser ma gamelle. Ah ouais, pendant un moment, tu vas en avoir un finir. Pour ça, regarde bien derrière toi. Toi, quand tu vas être en haut, quand la porte elle va être fermée, quand ils vont réussir à l'ouvrir, faut que tu fasses bien attention. Parce que là, les munitions... Après ça, tu vas être au snipe. Merde, je suis tombé. Bah, je pense que tu vas arrêter après. Dès qu'on a réussi à ouvrir la porte, tu vas arrêter. Ça va faire trop long. Là, on est déjà à 2h04. Le sniper, ça va te mettre mieux. Surtout que tu vas prendre ton temps pour pas te faire des... Voilà, regarde, eux, quand ils vont ouvrir la porte, toi, tu vas mettre des bombes, enfin, mets des machins un peu partout. Vas-y. Parce qu'ils vont passer des deux côtés, là et là. Regarde derrière toi. En fait, ils vont prendre leur temps. Tiens, il y a une boîte, là. Voilà, eux, pour l'instant, ils vont ouvrir la porte. Ouais, c'est Ellie qui va ouvrir la porte. Et le temps, toi, tu vas défendre. Et bien, regardez à chaque fois, hein, quand tu tues... C'est pour ça, j'arrête là. Non, 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 t'en as déjà mis une. Ah, je sais.
Oh putain. Crève charogne. Oh, oh, dommage. C'est... Regarde derrière toi, je crois que c'est ouvert. C'est bon, vas-y, vas-y. C'est bon, on se barre. Oh, tu me disais que vous avez du mal à le pousser. Comment? Allez, ne pas rentrer rempli d'infectés. Ça aurait été cool de prévenir. Ouais, mais bon, comment tu pouvais le savoir, toi? C'était que ils sont passés de l'autre côté. Vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? Bon, c'est ici qu'on va s'arrêter, parce que ça va être long. Bon, bah, si Florian t'es toujours là, bah, on va être au sniper, mais ce sera pour vendredi soir, à 9h30. Vu que là, on a pris quand même un peu de temps. Ouais, tu te poses là. Qu'on a pris un peu de temps quand même pour faire tout ça. Là, c'est bon, là, depuis, bah, t'as le gameplay au chaud, tu l'as dans les mains. Là, ça veut dire que tu vas mieux jouer qu'avant-hier. Là, ça va, t'as quand même mieux joué là. Ouais. Bah, on se dit, bah, pour vendredi soir, à 9h30, à 21h30. Pour préciser, bah c'est bon, tu peux couper le stream, share, et après tu fais... Bon allez, à la prochaine tout le monde. Allez, bonne nuit à tous et à la prochaine. Ouais, bonne nuit à tous, et à plus. À plus et à vendredi soir.